Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur Attention American consuming public, you're being brainwashed engage ultra color mode. Hello sweethearted consumer, thank you for your attention. Would you like nothing more than to ascend into a higher realm of being? Oh, so some of her videos on mental health save lives. It makes it so that suicide can be our safety net or our reset button that's always available, always available to us. Des histoires étranges de l'ère numérique. Est-il déjà arrivé de vous sentir seul au monde et sans support de vos proches et de votre entourage Internet est un lieu de prédilection pour les recruteurs de sectes et de groupes spirituels en tout genre. Aujourd'hui, on s'intéresse à deux histoires de sectes à l'ère de YouTube. La première, le Unicult, s'intéresse aux extraterrestres et aux robots sexuels. La seconde, celle de Teal Swan, utilise des techniques de marketing en ligne douteuses pour harponner des personnes vulnérables. Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va très bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien aussi parce qu'aujourd'hui, on boit une bière qui vient de Sept-Îles, imagine-toi donc. Oh, oui. euh, une bière, euh, en fait, un package de bière qui nous a été oui. offert par une distordue en personne au Festipod. Exact, exact. C'est gentil, ça. Ah, vraiment, beau cadeau de ta part. On boit la, la Sorensen IPA, en fait, mon oui. cher Émile, qui appartient à la microbrasserie La Compagnie. Qui est situé à cette île, comme tu disais? Shout out cette île. Et euh, oui, et notre distordue nous connaît bien. Hein, C'est une uh, style IPA américaine, 5,5% d'alcool. Légère quand même. Et, oui, oui, oui. Puis un IBU, quand même, une bonne amertume avec 50 euh, d'IBU. Donc, euh, euh, elle est très, très délicieuse, honnêtement. Merci énormément. Euh, euh, à toi là, de, de nous offrir cette bière exclusive à Montréal, dans le sens que alors, on est peut-être les seuls de Montréal qui la boit actuellement. Oui, et malheureusement, on a oublié ton nom, donc oui. euh, si tu nous écoutes à l'instant, n'hésite pas à nous, à nous écrire pour nous le rappeler, mais ça fait très chaud au cœur quand quelqu'un nous amène des beaux cadeaux comme ça. Oui. On a aussi un shout-out, une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de Camille. Camille nous dit, mais quel plaisir d'écouter Distorsion par une belle journée ensemble dans un parc avec Lisbonne sous mes yeux. Un moment magique, grâce à vous les boys. Oh, ça fait plaisir. Shout out Camille. Aujourd'hui, on a un sujet très intéressant, mon cher Seb. On avait abordé le le cas des sectes à l'heure numérique oui. dans notre épisode sur le Nexium. On oui, exact. Avec Keith Ragnery. Oui. Et aujourd'hui, en fait, on pousse un peu plus loin la réflexion oui. en s'intéressant sur comment certains groupes spirituels, comment certaines sectes utilisent YouTube entre autres oui. pour véhiculer leurs messages, mais aussi pour recruter des gens. Et vous allez voir, ça peut aller assez loin. Donc c'est comme ouais. un épisode double aujourd'hui oui. où Seb va nous présenter le Unicult et moi en toute fin, je vais vous présenter le groupe de Teal Swan. Ouais. Et aussi en after show, donc pour nos abonnés euh, Patreon au forfait oui monsieur, on a une histoire euh, assez euh, euh, assez incroyable, si hein? tu, tu peux nous en dire quelques, un petit mot, un petit tease. Ah ça. ben oui, ben oui. Euh, en Aftershow, on va vous parler d'un d'un gourou qui est assez controversé, qui s'appelle Bentino Massaro, et lui, son objectif, euh, avec son, son regroupement, son culte, c'est d'upgrader la civilisation d'ici 2035. Donc un objectif peu commun, avec beaucoup d'ambition, mais derrière, euh, disons, cet objectif louable, il euh, y a euh, quelqu'un, disons, euh, qui est à, à se méfier. Absolument. Yes. Aussi, on vous rappelle que si vous voulez obtenir nos épisodes en avance et nos after-shows, ainsi que du contenu additionnel, du contenu bonus, vous pouvez vous abonner à notre page Patreon. Et aussi, on vous rappelle que notre livre Distorsion 2, des histoires et des crimes étranges de l'internet, est disponible autant en papier dans toute bonne librairie, mais aussi en livre audio si vous voulez entendre nos belles voix suaves. Oui. Yes, là-dessus Seb, je pense qu'on a assez dit de blabla. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans cet épisode à propos des sectes à l'ère de YouTube Oui, oui Madame. Oui. C'est parti. Oui. parti. Yeah. Juste en débutant, Seb, on voulait émettre un petit trigger ouais. warning ici parce que l'épisode d'aujourd'hui euh, va traiter de suicide, va aussi traiter de sujets à caractère sexuel et euh, en fin d'épisode, on va vous donner des ressources. En fait, si vous avez des idées noires, si vous pensez parfois à mettre fin à vos jours, mmh. euh, euh, sachez que vous n'êtes pas seul, sachez qu'il y a des ressources qui sont disponibles pour vous et on vous revient là-dessus sans faute en fin d'épisode. Absolument. Tu sais, Émile, l'homme a toujours essayé d'expliquer des choses qu'il était incapable de comprendre avec l'aide des dieux, hein? Oui. Euh, avant que la science existe et tout ça. Puis même encore aujourd'hui, souvent, pour des, des événements incontrôlables, on, on a tendance à se tourner vers, euh, vers Dieu. On sait tous à peu près ce que c'est une religion, hein? C'est un système de croyance en un pouvoir surnaturel qui gouverne et contrôle les êtres mortels, hein? C'est ça la définition. Aussi, la religion, il existe également un système sacré et profane, en plus des rituels et des bonnes pratiques là, qui sont propres à chaque religion. En fait, ça fait un bout de temps que c'est implanté chez l'humain, le concept de religion. Il y a des experts qui disent que la religion n'est qu'une partie d'une culture et que la croyance en l'existence de Dieu, c'est ça qui constituerait la religion en tant que telle. Je n'ai pas d'opinion, mais je trouve que ça, ça fait du sens. Ben oui. Il existe aussi toujours un code de conduite dans une religion qui est censé être sanctionné par les dieux. Hein? Si tu ne fais pas telle chose, tu vas aller en enfer. Les personnes qui suivent une religion sont censées justement de suivre ce code de conduite ou de comportement. Cependant, avec le passage du temps et l'explication possible de tout ce qui nous entoure, avec la science justement, le besoin de religion il a un petit peu diminué quand même au fil du temps. Hein? On le vit là. Moi j'ai eu un... un mon primaire, j'ai eu de la catéchèse, ben puis oui. on allait à l'église, les, les sacrements, les premières communions et tout ça, puis aujourd'hui, euh, euh, ma fille, jamais on l'a inscrit à ça, on dirait que déjà, ça a sauté euh, une ou deux générations là, de, de, de notre côté, là, du moins, là, même au niveau du baptême, etc. Ben oui, au Québec, ça a été assez long avant qu'il y ait une séparation là, entre l'église et l'État, puis on dirait qu'une fois que c'est arrivé, toute la religion s'est presque écroulée en oui, quelques générations, en fait. Autant nos grands-parents, mes grands-parents moi, du moins, étaient très religieux, allaient à la messe tous les dimanches. Autant mes parents, euh, c'était tout le contraire, en fait. Ils ouais, n'étaient ouais, pas ouais. du tout religieux et tout ça. Moi, j'ai quand même eu des cours de catéchèse. Oui, Je suis tout. baptisé, j'ai eu ma confirmation. Ouais. Je sais à peine ce que ça veut dire, en fait. Euh, mais tout ça, le but n'est pas de ridiculiser la religion, non, 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 en tout fait. Euh, C'est encore très populaire. Mais disons que, ouais, au Québec, on a été un peu échaudé par euh, la religion catholique. Mettons. Ah, ben oui, puis c'était eux qui dirigeaient aussi. À l'époque, la religion et le gouvernement étaient très proches. On dirait que oui. tout ça mélangé ensemble a amené une forme de dégoût, de, de, si je peux me permettre l'expression. Aujourd'hui, on va vous parler des cultes, hein? donc pas directement d'une religion en tant que telle. Juste pour qu'on comprenne bien le mot culte, parce qu'il y a des, des, des connotations qui sont similaires à la religion, mais faut faire un peu les différences. Par exemple, un culte. C'est un ensemble de pratiques d'hommage ou de vénération autour d'une figure centrale, hein, qu'elle soit vivante ou non, à qui le, le, ce groupe-là reconnaît une dimension de supériorité, d'excellence ou de, de sacré, là, quelque chose de sacré, et attribue des qualités remarquables ou exceptionnelles qui peuvent être considérées comme exemplaires. Il faut mentionner que le culte est un des éléments d'une religion. Hein. Indirectement, le, le, la notion de culte, de vénérer Jésus, etc., ça fait partie de la religion. Si on va plus au niveau de l'étymologie pour comprendre le mot culte, en fait, ça vient du latin cultus, que lui est dérivé du verbe colère, mais pas la colère, mais pas d'accent, et ça, ça veut dire idolâtrer, et même au sens propre, ça veut dire cultiver. Donc, par extension, cultus veut dire rendre un culte. Donc, ça veut dire cultiver une relation avec une divinité et vouloir la faire fructifier. C'est là que c'est important pour le plus grand bénéfice moral et matériel, donc la paix, richesse, prospérité, bonheur, santé de l'individu ou de, de la communauté qu'il qui pratique. Donc, euh, au niveau de la définition, un culte, c'est positif, mm -hmm. parce que c'est juste dans le but de, de redonner du bien aux autres. <laughs> Par contre, lorsqu'on parle de culte numérique ou sur le web, il y a une définition aussi pour ça. Ça s'appelle le cybersectarisme en fait, qui est par oh, un nouveau mot. Oui, on aime ça les nouveaux mots. Qui est par définition le phénomène des nouveaux mouvements religieux et de d'autres groupes qui utilisent Internet pour la distribution de textes, pour le recrutement et le partage d'informations. Il faut se le dire, plusieurs cultes sur le web sont selon moi inoffensifs. Ce ne sont que des gens qui ont certaines croyances communes et qui les partagent ensemble. Cependant, d'autres cultes où l'objectif derrière semble plus malsain et pécuniaire que spirituel, sont plutôt à surveiller de près. Oui, tout à fait. c'est vrai ce que tu dis. Je pense qu'il faut pas mettre toutes les euh, toutes les cultes ou même tous les groupes spirituels dans exact. dans le même panier, parce qu'il y en a en fait qui sont euh, qui sont inoffensifs. Il y en a qui aident vraiment les oui, gens. Il oui, oui. y en a que c'est des regroupements de gens qui ont des valeurs euh, communes, par exemple. Puis tu sais, c'est pas grave si les gens ont pas les mêmes croyances que. Tout le monde, tu sais. Non, exact. Euh, Sauf que, effectivement, dans ce lot, dans cette euh, botte de foin de culte qui se sont multipliés, on dirait, à l'ère ah, des réseaux incroyable. sociaux. Incroyable. Euh, plus que jamais, même, mm -hmm. euh, autant des groupes euh, de guérison que des. J'irais même à dire jusqu'à des, euh, des communes, des, oui. des festivals, oui. Oui. même euh, spirituels, qui mm -hmm. existent, qui mélangent même euh, de la musique électronique avec euh, ouais, euh, de l'astrologie, avec des pratiques de tarot, avec mm -hmm. des choses comme ça. Donc, il y en a plusieurs au Québec. Donc, c'est vraiment. Euh, faut pas démoniser, en fait, tous non. ces tous ces groupes là de comment dire d'entraide ou groupes spirituels puis j'irais même à dire même il y a des groupes comme euh, comme ceux qui vont euh, comment dire euh, ceux qui vont motiver les gens c'est tu sais, les Tony Robbins oui, de ce monde oui, oui, bien, vont presque faire figure de culte aussi Absolument. auprès de leur de leur communauté c'est des gens qui vont qui vont tenter de comment dire de de d'aider de, de, des gens vulnérables qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de motivation exactement à différents niveaux. Donc il faut faut pas mettre tous ces groupes là dans, dans le même panier bien évidemment. Non, exactement, puis tu sais aujourd'hui euh, euh, comme par exemple le Unicall donc dont on va parler, tu sais c'est euh, parfois euh, moi, je trouve que certaines choses sont rigolos, hein, dans, dans leur euh, croyance et tout ça, mais c'est très personnel à moi. Là, et je, je ne juge pas ça. J'aime mm -hmm. mieux juste le dire euh, euh, d'emblée. Je, je, je vais commencer, mon cher Émile. À l'automne 2018, il y a un culte Internet qui a une certaine notoriété auprès des médias et du, et du grand public, principalement américain, qui refait surface. Le culte autoproclamé comme féministe, Unicult, est dirigée par sa chef, une dénommée Unicol, Unicron, et non Unicorn. Hein? Et elle a fait, elle fait bien attention ouais. de, de, de faire cette nuance-là, parce que Unicorn, c'est une... une euh, voyons, une, une licorne. Oui. Et dans ce cas-ci, c'est Unicron. Donc, c'est pas exactement la même chose. Puis elle a voulu un peu s'en dissocier, même si elle utilise beaucoup les couleurs d'une licorne, disons, dans, dans sa direction artistique. Mais est-ce qu'elle s'appelle Nicole? Écoute. J'ai jamais réussi à trouver officiellement son vrai de vrai nom. Ah, pour vrai? Ou même dans les entrevues et tout ça, mais je présume qu'elle s'appelle Nicole. Oui. Si elle, choisi, si elle a choisi ce, ce nom-là, mais c'est jamais. Ça serait logique. Oui, mais jamais elle le précise vraiment de, de manière officielle. J'imagine par euh, confidentialité. Elle a pour objectif de mettre sur, prix, sur pied le premier bordel de robots sexuels qui demandent le consentement du dit robot avant de se lancer dans ses tâches demandées. Quand tu parles de bordel, c'est vraiment ce qu'on pense d'un oui, bordel. Exactement, là. une oui. maison close. Oui, euh, exactement, là. avec des prostituées. Oui, exactement. Sauf que là, ça serait que des robots sexuels. Ok. Et euh, oui. Je... <laughs> tu vas nous en parler plus en détail tantôt. Oui, exact. Puis pour y arriver à, à mettre sur pied ce, ce, ce bordel de, de, de robots sexuels, euh, Unicall met sur pied une campagne de sociofinancement sur Indiegogo pour lever des fonds. Elle a pour objectif de ramasser plus de 150 000 US sous forme d'investissement. Le sociofinancement, pour ceux qui l'ignorent, c'est un moyen pour les entreprises de lever des fonds en recueillant des petites contributions individuelles hein, auprès d'un grand bassin de donateurs par l'entremise de plateformes en ligne comme Kickstarter, GoFundMe, euh, Indiegogo, justement, pour ne nommer que celle-ci. Pour se financer, la plateforme, elle, prend un pourcentage sur les revenus des, des campagnes de financement qui sont réussies. Patreon est une forme de sociofinancement. Oui, ben oui, exactement. Pour celles qui échouent à atteindre le montant voulu, les créateurs de la campagne ont le choix soit de rembourser intégralement, intégralement les contributeurs sans aucune charge, soit garder l'argent collecté en redonnant un pourcentage au site web en question. Comme Indiegogo, oui, ils redemandent 9 si ta campagne euh, échoue. La campagne qui s'appelle Eve's Robot Dreams, donc euh, euh, le, les rêves de Eve le robot, de Unicolt, nous est introduite comme suit Entrez dans l'histoire et soutenez le premier bordel de robots au monde axé sur le consentement. Les, cl mmh. les clients peuvent visiter le café futuriste où ils peuvent découvrir les premiers robots compagnons du monde. Après leur rencontre, les invités ont la possibilité de passer du temps avec leur robot préféré dans une salle privée. Les invités peuvent commencer à établir une relation avec leur nouveau compagnon en téléchargeant l'application RealBotix sur leur téléphone. Je vous reviens sur l'app. Lorsqu'ils visitent Eve, ils peuvent interagir avec le robot compagnon qu'ils ont déjà commencé à connaître, soit avec un robot ou, ou avec un robot qu'ils n'ont pas encore rencontré. On nous mentionne également que c'est une entreprise qui est consciente et que la décoration intérieure qui sera conçue par l'artiste Marina Fini. Reflera un espace de guérison. C'est bien beau tout ça, mais Émile, est-ce qu'un robot sexuel peut vraiment donner son consentement Est-ce que c'est possible ben, on dirait que j'ai pas l'idée sur papier, non, mais j'ai bien hâte de voir. Euh, j'ai bien hâte de voir comment tout ça va tourner. Là. Justement, selon blair Whitby, philosophe et éthicien de la technologie à l'université de Sussex. Les robots ne peuvent pas véritablement donner leur consentement. Hein. Ce n'est qu'une imitation très plausible de ce qu'est réellement le consentement. La technologie ne permet pas d'élaborer énormément et elles sont, elles sont plutôt programmées, les poupées, pour répondre à des phrases clés là, comme c'est OK avec moi, là, qui est une, une imitation assez faible de ce qu'est réellement le consentement. Mais les enjeux réels là, euh, de la programmation d'un robot pour qu'il y ait un rapport plus égal, hein, parce que c'est ça l'objectif lors de rapport sexuel, sont moindres selon le chercheur que les conséquences réelles sur les clients. Selon le chercheur, les premières recherches sur les conséquences humaines des personnes qui ont des relations sexuelles avec du silicone sont assez sombres. Puis ça, on l'avait vu aussi là, dans notre show télé, on avait, euh, on avait quand même couvert aussi le sujet, puis était pas de, la finalité n'était pas tant positive. Il y a un rapport sur les implications des robots sexuels sur la santé justement qui a été publié par le BMG Sexual and Reproductive Health avertit lui que l'augmentation de l'activité sexuelle avec des robots pourrait éloigner certaines personnes de l'intimité humaine et appelle à remettre en question l'idée farfelue et là je cite là, quand que je dis l'idée farfelue selon laquelle les robots sexuels peuvent contribuer à lutter contre la violence sexuelle des hommes c'est sûr que c'est un gros débat éthique hein, et philosophique. Ouais. Est-ce que le fait, puis je n'ai pas du tout la réponse, mais c'est sûr que la notion de consentement, on a l'impression qu'elle est éliminée avec un robot, mais ouais. est-ce que le fait d'être euh, habitué à ne pas demander le consentement avec un robot va faire en sorte que ouais. tu vas moins le demander avec un ou une partenaire euh, euh, humaine, en fait. Ouais. C'est un peu ce qu'on avait discuté aussi dans, dans, dans notre émission télé, lorsqu'on oui, oui. avait discuté avec un, un, un producteur, un fabricant de, oui, de, bien, de poupées sexuelles. Euh, C'est la notion qui est un peu très délicate en ce moment. Est-ce que, euh, comment dire, est-ce que ça, ça peut euh, empêcher d'une certaine façon la violence sexuelle, parce ouais. qu'on on, on sait que les hommes ont un problème avec le consentement? Oui, oui. Euh, et euh, où est-ce que ça n'aurait pas l'effet inverse, en fait? Euh, ah, je n'ai oui. pas la réponse à ça. Non, exactement. Puis tu si sais, je me demande, est-ce que cette clientèle-là euh, tu sais, va être justement, euh, comment dire, vraiment la bonne clientèle cible aussi, là, tu sais, par rapport à vouloir changer un paradigme? Oui. Là, euh, je sais pas, peut-être quand tu es rendu là, en tout cas, je, je, on, 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 se pose des on se pose des questions là-dessus, puis on n'a pas la réponse, comme tu dis, c'est très philosophique. Là. Revenons à la campagne de sociofinancement de Unicult. Malgré la publicité médiatique du projet, il n'arrivera pas à atteindre son objectif. En fait, il aura atteint un peu plus de 1 de la somme des 155 000 dollars en amassant 2 659 US exactement de la part de 10 contributeurs seulement. Pas beaucoup? Non. Bien que le concept d'un bordel de robots sexuels ne soit pas nouveau, hein, parce que en 2018, il y avait déjà eu une première tentative à Houston, en fait, d'ouvrir la ville de Houston aux États-Unis, voulait ouvrir un, un, un bordel de robots sexuels, pas avec consentement, là, mais un, un, un bordel, disons, régulier. Euh, mais il a échoué parce que, le, les, on sait, les Américains sont, sont assez puritains. Et le, 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 la stratégie pour empêcher ça, pour interdire ça, c'est que le conseil municipal a interdit les relations sexuelles avec des objets mécanismes mécanique à l'intérieur des entreprises locales. Ok. Donc, étant donné que des robots sexuels, ben c'est des objets mécaniques, donc tu ne peux pas exploiter une entreprise, un, un bordel de, de poupées sexuelles. Ça c'est. Ouais, mais généralement quand il y a une loi, c'est qu'il y a eu quelques, quelques quelques cas. Ouais, mais je pense qu'elle a même pas le temps d'ouvrir en fait. Euh, ils ont comme bloqué tout de suite euh, quand il y a eu les intentions de, de, de lancer ça. Donc, c'est un peu. Euh, euh, je trouve que là-dessus, des fois, les, les Américains sont un peu euh, puritains. Tu sais, je ne sais pas. Tu sais, je trouve pas qu'il y ait tant de mal à ça. C'est vrai que c'est un peu bizarre, puis c'est un peu hors norme, mais euh, euh, tu sais, on dirait que je l'aurais laissé aller un petit peu voir euh, qu'est-ce qui se passe. Là, mais j'imagine que c'est peut-être des. Des endroits plus, plus conservateurs. Mais je pense pas que le Texas, dans le cas de Houston, soit un bon terrain d'expérimentation <laughs> pour, euh, comment dire, euh, justement, tenter de, tenter de voir si un concept comme ça fonctionne. Non, exact. Mais dans mes recherches là, euh, de bordel, j'ai trouvé, j'en ai trouvé un qui existe au Canada, à Toronto. Il oh. porte le nom de Aura Dolls, où le client peut payer 120 de l'heure et 90 de plus la demi-heure pour faire ce qu'il veut. Je, je cite là, avec. avec euh, mais pas avec six poupées, là. mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent aux six poupées du personnel. Et là, je lis la condition, vous allez rire, à condition que la personne ne fasse pas de trous supplémentaires en elle. Okay. Donc, il ne faut pas, faut pas altérer la, la poupée, il ne faut pas se, se créer d'autres divertissements, disons. Il faut aussi savoir qu'il existe des établissements similaires, ils sont situés à Barcelone, Moscou et à Turin en Italie. donc il y a un, il y a un petit marché quand même pour, pour ces bordels-là de, de poupées sexuelles. Par contre, mm -hmm. euh, le, le terme euh, bordel de robots sexuel, parfois ne devrait pas être euh, attribué, est un peu attribué à tort parce que ce ne sont pas toutes les poupées qui ont une intelligence artificielle là, dans, dans ces bordels-là. Mais celui de Unicold, c'était vraiment, puis je vais y revenir plus tard, c'était vraiment des, des vrais... C'était vrais... l'objectif. Oui, y ait une intelligence artificielle. Oui, exactement, avec une application et tout ça. Donc, si la poupée euh, elle a la notion de consentement, elle peut dire non à un humain, là. Oui, exactement. Elle pourrait dire non. Euh, puis je vais expliquer le processus. Là, euh, comment que, elle peut en arriver à, à dire non. Puis c'est assez simple à, à disons dire euh, déjouer l'algorithme, mais, mais, mais bon. Euh, le Ev's Robot Dreams, en fait, il est assez unique hein, dans sa, sa focalisation sur le consentement. En d'autres termes, pour ceux qui n'auraient pas compris, là, pour qu'un client ait des relations sexuelles avec l'un des robots du bordel le robot doit d'abord donner son accord. Mais pourquoi un, un, un robot devrait donner son consentement étant donné que c'est une machine qui n'a pas d'émotions sauf celles que l'on programme? Hein? Puis ici, je parle d'émotions, je parle, quand je parle d'émotions, je parle vraiment de, de reproduction physique de nos émotions par les gestes ou la parole par l'intelligence artificielle, le programme qu'on a conçu. Eh bien, selon Unicall, L'objectif de Eve en tant qu'aspect du Unicult est de propager le changement matriarcal grâce à l'intelligence artificielle et aux au, au robots. Parce que elle, c'est assez important pour elle cet aspect-là, elle est très fan de technologie. Unicult a ajouté que le personnel d'Eve serait entièrement composé du modèle Harmony. Et ça, le modèle Harmony existe encore, hein, il est presque 7000 US, euh, puis c'est un modèle de l'entreprise Real Doll X. Euh, puis je crois que c'est l'entreprise qu'on avait euh, discuté avec. Carrément, bah ben oui. Oui, exactement. Puis ça existe encore là, donc vous pouvez la commander euh, la commander, il y a plein de modèles et euh, supposément que justement Harmony, elle, a peut réchauffer les utilisateurs par leur conversation. Donc pour avoir des relations sexuelles avec Harmony, les clients doivent accumuler des points de conversation, c'est c'est là qu'on obtient un, une forme de consentement avec elle avant qu'elle consente au sexe. C'est qu'elle veut vraiment qu'on discute avec elle de différentes choses. Puis c'est pas expliqué le niveau de discussion, mais j'ai l'impression qu'il faut avoir un minimum d'échanges pour que par la suite elle puisse autoriser, euh, autoriser l'acte sexuel. Mais bon, je ne sais pas comment que si la personne euh, Passe pas le test, qu'est-ce qui se passe? Il euh, y, y a une lumière rouge qui sonne euh, et tout ça parce que ça n'a ça, ça, ça pas été mené à terme, donc on, on va vivre dans, dans l'inconnu. Ben, ça doit être une bonne shot, shot d'humilité, se faire euh, dire non par un robot. Par un robot, oui, mais hein. euh, bon. Je dois avouer que je trouve noble hein, l'objectif derrière le projet de changer les, les mentalités, mais je, je suis vraiment déchiré sur les moyens pour atteindre son objectif. Est-ce que l'on peut vraiment changer les comportements des hommes envers les femmes? Avec la clientèle qui adopte des poupées sexuelles. On dirait que si je me, je me restreins à cette clientèle-là, c'est encore là, c'est sans jugement, mais j'ai l'impression que les gens qui vont vers ça, c'est que tu plus d'autres options, ou du moins tu n'es pas à l'aise euh, habituellement avec une, une femme, ou du moins tu pas accès. Donc, euh, est-ce que ça est-ce que ça va vraiment changer ton comportement pour de vrai si après ça tu tombes avec une, une vraie femme? Mais je pose la oui. question sans, sans jugement, mais qui est ce, 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 ce culte-là là, qui veut promouvoir les robots sexuels euh, oui. consentants? Là. Et c'est le, le culte justement qui a été créé par Unicorn Unicron. Euh, elle, elle a grandi à Longmont, euh, qui est une petite ville agricole en banlieue du Colorado. Elle est née le 16 août. On n'a pas son âge, mais selon mon flair, elle est âgée en fin, en fin vingtaine, début trentaine, peut-être un peu plus. Euh, durant sa jeunesse, elle n'a pas vraiment été exposée à la spiritualité, sauf le christianisme. Euh, elle a eu une enfance normale. Elle a fréquenté le Colorado State University à Fort Collins. Elle a étudié l'anglais, l'écriture créative, la poésie, le marchandisage de vêtements, l'art textile et les affaires. Donc, euh, euh, c'est une fille qui réussissait bien aussi euh, à l'école. Unicorn a travaillé pendant plusieurs années en tant que professionnelle des télécommunications, à la fois pour CenturyLink en tant qu'architecte senior. Et ensuite, plus tard, elle a travaillé chez IBM en tant que spécialiste de l'approvisionnement en circuit Elle a également enseigné des cours d'anglais à l'Institute of Business and Medical Careers. Ses écrits techniques et créatifs ont été publiés dans différents magazines, des manuels d'instruction, des blogs, des webzines et des revues littéraires. Même qu'elle a écrit des livres pour enfants, elle a fait beaucoup, beaucoup de choses quand même, là, euh, en dehors de, euh, que je peux dire, de, de son culte. Cependant, son hypersensibilité et son désir de cadrer et de s'intégrer dans, dans la société actuelle l'a malheureusement mené en 2009 vers une tentative de suicide. Or elle a été miraculeusement sauvée de cette tentative par son père et le personnel médical. Durant cet événement, elle mentionne avoir vécu une expérience de mort imminente pendant deux heures, en fait, ce qui la transforma à jamais. Suivant sa tentative, sa médication et son état d'esprit la limitaient dans les emplois qu'elle pouvait occuper parce qu'elle expliquait justement que, euh, ben, de un, euh, je ne veux pas rentrer dans les détails de ce qu'elle a fait, mais ça l'a ça magané euh, au niveau de, de sa tête et tout ça, là, donc, puis en plus, il te remédicament pour contrôler des humeurs. Puis, ouais. Euh, elle n'arrivait pas à rien faire, elle, elle occupait juste des, des emplois dans des librairies ou des trucs comme ça, vraiment des, des emplois de, de, de bas bon niveau parce qu'elle n'était pas capable euh, intellectuellement de, de faire plus c'est une fille hein, qui travaille en technologie et tout ça, donc euh, pour elle ça a été quand même un, un gros choc elle décida donc de déménager sur une ferme et d'arrêter complètement sa médication, le cold turkey là, était tanné donc euh, euh, une fois sur la ferme mais euh, ben c'est par ennui qu'elle décida de fonder son mouvement, le Unicult, en 2012, donc ça fait quand même euh, pratiquement dix ans qu'il existe aujourd'hui. Au départ, elle débuta timidement sur Tumblr, hein, on connaît là, le réseau social d'images, et euh, son mouvement croît très lentement. Cependant, c'est devenu ainsi son objectif de vie, et depuis, elle travaille chaque jour sur son projet. Sa mission est de changer la vibration de la Terre pour être plus alignée avec la promotion de la joie pour tous. Qu'elle dit Joy for All. Unicorn Unicron est également une artiste, une pop star, une musicienne et une réalisatrice de vidéos. Elle a fait plusieurs clips de musique, sont toutes sur YouTube aussi. Je vous en parle un petit peu plus loin, mais c'est vraiment une artiste multidisciplinaire. Ici, c'est intéressant. Elle se décrit elle-même comme une conscience arcturienne, non binaire de genre, née dans un corps humain. Elle est née pendant une période astrologique spéciale appelée le Grand Trigone, lors de la première méditation mondiale connue sous le nom de convergence harmonique. OK <laughs> C'est assez particulier tout ça, mais c'est elle qui nous, qui nous explique sa naissance. L'énergie unifiée de paix et d'amour qui, qui a été cultivée ce jour-là lui a permis de s'incarner sur la planète Terre. Et un Arcturien... Euh, est un habitant hypothétique du système planétaire d'Arcturus qui existe. Là. Donc, pour un petit cours d'astronomie 101, Arcturus, c'est une des étoiles les plus lumineuses de l'hémisphère nord. Elle est très proche du pôle nord galactique. Même euh, souvent, je lisais qu'à euh, l'époque, euh, elle est près d'Hawaï. Euh, Puis souvent, les navigateurs, pour repérer Hawaï, s'en servaient euh, comme, comme destination, si tu veux, comme une forme de boussole. Point de repère. Ouais. Oui, exactement. Ses parents se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient dans une usine de fabrication de bombes nucléaires. Donc, est-ce que ça aussi... Ça Tout va... un background. Oui, c'est assez particulier. Euh, elle, elle dit aussi que sa naissance a été prophétisée euh, et elle soupçonne qu'elle est sous surveillance gouvernementale depuis, justement, sa naissance. Donc, euh, tu vois qu'elle qu vit dans une réalité, euh, comment dire... Euh, un peu alternative. Oui, exact. Puis, elle remet beaucoup en question... Euh, euh, L'autorité. Ça, ça, ça fait partie beaucoup de son, son message également. Elle a acquis une réputation dans les grands médias publics en déménageant à Seattle, à Washington, en 2015 et en faisant couvrir son histoire par l'émission True Life, I'm Starting a Religion, qui était diffusée sur la chaîne MTV, dans laquelle elle a été révélée euh, qu'elle est la fondatrice du culte underground, là, qui était, même à ce moment-là, là, connaissait une croissance rapide. Peu de temps après la diffusion de son émission, son personnage, plus grand que nature, ses vidéoclips controversés et ses idées quand même futuristes ont commencé à attirer l'attention du monde entier. C'est ce que j'ai écouté en entrevue. Oui, elle a beaucoup de gens de, des États-Unis, évidemment, mais elle a des adeptes de, de partout dans le monde, dont même beaucoup au Canada, qu'elle disait. En 2016, il a été révélé dans un article de Motherboard qui appartient à Weiss qu'elle est également une praticienne de la sorcellerie et leader d'un mouvement féministe appelé 3v3 qui se prononce E hein, le 3 qui, quand on l'inverse, fait la lettre E, qui est composé uniquement de femmes et de sorcières non binaires. Là, je, je cite qui travaille entre l'intersection de la magie et de la technologie et qui partage l'objectif commun d'influer sur le changement matriarcal dans le domaine numérique. Tu sais, même elle, son âme, c'est vraiment... Euh, puis je sais pas tout le temps comment elle a fait pour l'adresser, tu sais, dans le sens que le changement matriarcal dans le domaine numérique, on dirait que ça, des fois, j'ai de la misère à saisir ce qu'elle veut dire. Là. Tu sais, je comprends que les robots sexuels, le consentement, euh, ouais. elle, elle, elle accepte juste des, des gens non-binaires, des femmes... Euh, mais euh, mais outre ça, je ne sais pas comment qu'est-ce qu qu'elle veut, comment qu'elle peut orchestrer ça en fait pour pour créer ça là, parce que j'ai vu des hommes pourtant dans, dans certaines vidéos qui assistaient à ces trucs. Donc ça, on dirait que ça ça mélange un peu sur. Euh... Mais c'est possible que ce soit des, des personnes non binaires. Oui ben c'est ça. En, en le c'est c'est ce qui m'est venu euh, venu à, à l'esprit. Mais, mais bon, ça se peut qu'elle qu soit un peu plus loose aussi quand quelqu'un s'intéresse euh, à elle. Euh, Unicult communique avec les membres du Unicult euh, par courrier postal aussi. Même que l'inscription se fait également ainsi, là, je vais y revenir euh, un peu plus tard, euh, mais aussi, évidemment, elle, elle communique via toutes les plateformes en ligne disponibles. À l'époque, même euh, euh, elle était une grande fan de Periscope. Hein, Periscope, qui était euh, une plateforme de live streaming très populaire euh, à l'époque. Twitter, oui, exact. Oui, ah, oui, c'est le fun, ça c'est triste un peu que ça que c'est mort. Euh, je trouve, on qu'il y, y avait quelque chose de nouveau, une forme de révolution. Il n'y avait pas de live avant, avant Periscope. Là. Après, c'est toutes les autres plateformes qui ont copié, Facebook, etc., mais c'est elle qui n'a pas, pas survécu. Elle, en faisait, elle faisait des lives chaque jour tout en continuant à en monter sa communauté sur YouTube. Elle est même devenue maintenant, aujourd'hui, à comparer à YouTube, où elle a peut-être 15 000 abonnés euh, sur TikTok, c'est devenu une grande star, même si, le, si vous cherchez le, le TikTok Cult Leader, c'est elle qui sort, euh, elle est rendue à 117 mille abonnés. Donc, c'est euh, c'est quand même ben fou. Oui, hein. C'est dix fois plus que sa chaîne YouTube. Donc, on dit que son influence... Euh, je regardais même, c'est sûr que dans les années où elle avait beaucoup de présence médiatique, là, 2015, 2000, ces vidéos, il y avait des fois des milliers, même des millions de vues. Mais maintenant, dans le quotidien, ces vidéos YouTube, ils ont 300, 400, 500, 600 vues. T'sais. puis Mais quand tu regardes sur TikTok, c'est un autre, une autre chose. Évidemment, la, la forme n'est pas pareille. Hein? C'est des courtes de vidéos, etc. Versus sur YouTube, à diffuser ses messages, elle passe plein de messages beaucoup plus approfondis, élaborés, mais, mais quand même, hein, au niveau de de l'influence, c'est assez, c'est assez incroyable. Elle anime des émissions en direct chaque semaine. Elle produit régulièrement du contenu vidéo, des enseignements spirituels, comme je vous disais sur YouTube. Et elle organise, elle organise plutôt un service religieux en ligne qui s'appelle Unity Church pour ses adeptes chaque dimanche, dans lequel les téléspectateurs sont engagés par une grande variété de sermons. Puis je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Ça, c'est quand même rigolo. Puis bon, souvent, les gens s'amusent ensemble. Évidemment, avant la pandémie, elle disait qu'elle faisait beaucoup des, euh, des get-together avec des potlucks, puis des choses comme ça, mais ils ont quand même plus migré, euh, migré en ligne. c'est toujours diffusé en ligne, mais si quelqu'un était, euh, où ce qu'elle habite, pouvait aller euh, sur place là, pour, euh, pour, y c'était pas fermé à ça, malgré qu'elle disait qu'elle préfère euh, le mode de communication numérique, parce que c'est quelqu'un qui est très gêné, qui est une forme mmh. d'introverti. Même si, tu vois que c'est une extravertie numérique que je pourrais dire, mais dans la vie, elle est plutôt timide, donc c'est un mode de communication qui lui va mieux. Unicorn est particulièrement ouverte en ce qui concerne sa vie personnelle, car ça fait partie intégrante de, de toute son image, d'être honnête et ouverte avec ses femmes. Elle a publié publiquement euh, tous ses journaux personnels en ligne pour que quiconque puisse lire les détails les plus intimes de sa vie. Ça, je trouve ça... Je trouve ça particulier aussi, mais ben, en fait, c'est transparent. Elle est aussi musicienne, productrice de musique. Elle a créé son premier album euh, qui était disponible exclusivement sur euh, téléphone mobile. Euh, elle a des influences musicales de Britney Spears, Lady Gaga, Madonna. C'est pas si pire là, comme pop music, j'ai écouté un peu. Euh, elle, elle associe souvent son, euh, sa musique et son art à une nouvelle forme de lavage de cerveau, mais positif, qui est spécifiquement conçu. Pour soulager l'auditeur du fardeau de, des fardeaux de la vie. Les thèmes des chansons tournent autour de la consommation, du capitalisme, du féminisme et des idéaux spirituels. Elle a sorti un deuxième album en 2015 et aussi plus récemment elle a expérimenté une intégration des technologies là, des battements bina, binauraux. Là. Moi j'écoute justement de la musique euh, binaural pour la, la concentration. Euh, elle fait des enregistrements de ASMR euh, et beaucoup de techniques de programmation subliminale profonde. Euh, Unicall combine des sons avec des visuels assez puissants d'une manière, selon certains, révolutionnaire et positif qui affecte profondément et qui permet à l'utilisateur d'un de, de, effet bénéfique, là, selon ses dire En plus des vidéoclips qui accompagnent ces chansons qu'elle produit, elle a également créé et sorti de manière controversée, euh, ça, j'ai pas réussi à mettre la main dessus, un film culte pornographique solo autoproduit en 2016 appelé Guillemets, guillemets, en fait, il n'y a comme pas de nom, mais il y a des guillemets dans, dans le titre, mais il est, euh, messieurs euh, ou mesdames, euh, euh, ne cherchez pas trop, il n'est accessible que sur VHS, en fait, ça fait que ça réduit, euh, disons, ça, sa portée, euh, puis euh, je ne l'ai pas trouvé sur Internet, je l'ai cherché juste pour... Voir si ça, ça se trouvait, là, mais. Euh... Bien sûr! <laughs> elle est également une peintre bien établie avec certaines de ses œuvres les plus commandées se vendant pour des milliers de dollars car la demande est encore plus élevée en raison de sa notoriété, là. Donc, elle fait quand même assez d'argent avec ses toiles. En plus de peindre, d'écrire et de créer d'innombrables chansons et vidéos, Unicorn gère une boutique en ligne hein, où les gens peuvent acheter des cristaux, des baguettes, des baguettes magiques, le pas des baguettes de pain. Des t-shirts fait maison, des bougies ou d'autres objets magiques. Également, elle offre plusieurs formations spirituelles payantes. C'est là que des fois, j'accroche moins. C'est tout le décorum autour que là, il faut que tu achètes plein de, ben oui. de trucs. Là. Parlons un peu de sa croyance envers euh, les aliens. Euh, si vous voulez avoir vraiment le détail euh, de ça, on en parle beaucoup dans plusieurs vidéos, mais elle-même... Euh, qui se dit provenir d'un système solaire hypothétique, je vous rappelle, arcturien, euh, elle croit en l'existence des, des aliens et en ferait partie également. Puis ce qui lui a confirmé ses, ses, ses croyances, euh, c'est qu'elle souffrait de douleurs chroniques au dos depuis longtemps et à un moment donné, elle rêvait rêvé qu'elle se faisait opérer par des aliens et elle s'est réveillée le matin et n'avait plus de douleurs euh, du tout. Donc elle a, elle a arrêté d'avoir mal au dos depuis ce temps-là, donc pour elle, ce sont les aliens qui l'ont guérie. Elle qualifie aussi ses membres comme des Star Seeds, des graines d'étoiles. Selon elle, les graines d'étoiles ont une signature énergétique super différente de celle des autres terriers. Pour cette raison, on leur diagnostique souvent une maladie mentale grave en raison de leur incapacité à vivre leur vie comme si de rien n'était. Je, je la cite. Ils peuvent voir la corruption en place très clairement, tu vois, encore elle revient avec le gouvernement, euh, la corruption, etc. Certains membres pensent que Sheldon Cooper, là, de, de la célèbre émission Big Bang Theory, serait une forme d'archétype euh, de l'Octurion, euh, de, de, de Graine d'étoile, le Star Seed, serait une représentation en fait de ce que pour eux est un, okay. un, un, tu sais, c est un peu, c'est un peu particulier. Elle a été également dans la controverse là, durant la COVID-19 par ses, euh, ses positions anti-vaccins, euh, contrôle du peuple par le gouvernement, encore une fois, parce que selon elle, comme plusieurs anti-vax, puis ça, c'est très personnel, là, leur corps saura quoi faire s'il est malade. Donc, euh, pis ça, souvent, tu pouvais pas trop répandre ce, ce discours-là. Là. Elle a été critiquée dans, dans plusieurs médias hein, par rapport à ça. Autre chose, cher du masculin, si vous êtes intéressé, elle se recherche un amoureux actuellement et un géniteur, en fait, qu'elle appelle unimate. Et oh. ça, elle en parle de long en large. Jordan Knight, de Nighttime Podcast, a fait deux entrevues avec elle. Jordan euh, Knight, euh, ça c'est le chanteur ah, euh, de, de euh, New Kids on the Block. Oui, c'est Jordan Bonaparte. Oui, Bonaparte, pardon. Euh, euh, Jordan de Nighttime Podcast a fait deux entrevues avec elle. Euh, super intéressantes. Puis justement, elle en parle un, beaucoup plus en profondeur de son Unimate. Euh, elle, euh, parce que c'est drôle, parce que, puis même, je trouve ça drôle qu'elle cherche un, un pour son futur enfant. Puis ses dernières photos Instagram, euh, je trouve qu'elle se donne un je trouve qu'elle, comment dire, elle, a, elle se donne des airs plus sensuels, elle se met en bikini. D'habitude, elle ne faisait pas tant que ça. On dirait que, c'est une corrélation, mais on dirait qu'elle cherche à attirer une attention masculine plus que d'habitude, je trouvais, depuis qu'elle a, qu a mentionné ça. Bref, l'appel est lancé. Cependant, vous devrez partager les mêmes croyances qu'elle. C'est assez important. Donc, si vous ne croyez pas aux aliens, euh, vous pouvez passer votre tour. Et je me demande combien que y a d'actuariens euh, compatibles avec elle. Parce que euh, ça aussi, ça, ça, c'est dans l'équation. Des actuariens? Fait que c'est ça. Arcturiens, le... je ouais. crois. Arcturiens, c'est nous... moi. Ben oui. Tu nous fais un mélange oui, entre les actuaires actuaire et... Oui. <laughs> et les actuariens. Oui, tu as raison. Puis même pendant, la... pendant que j'écrivais l'épisode, souvent, je me trompais. Euh, je ne sais pas pourquoi, c'est des actuaires en moi qui, euh, qui voulaient euh, euh, parler. Bon, mais ben là... Vous avez entendu ça, vous vous dites, ah, j'aimerais ça devenir membre. Ben, c'est pas si simple. Hein? Si vous avez envie de vous joindre à son culte, il faut tout d'abord se rendre sur sa boutique en ligne et acheter, acheter une demande officielle à 11 11 US pour une adhésion à vie à Unicult. Mais ça, c'est pas fini, là. Une fois que vous avez acheté ça, vous allez recevoir par la suite une demande papier qui va vous être envoyée par la poste et que vous devrez retourner le formulaire, en fait, pour être accepté à Unicult. Euh, les questions sont assez intimes et personnelles là, de ce que j'ai vu de, de certains témoignages. Elle demande des détails sur votre emploi, vos revenus, un peu comme toute bonne secte. Euh, puis elle, elle se défend en disant que c'est simplement pour mieux comprendre la démographie de ses membres. Donc, euh, j'en doute un peu. Ensuite, vous aurez accès à la communauté en ligne. Cependant, il faut s'en mettre patience, car vu qu'elle traite chaque demande manuellement, ça peut prendre plus de 90 jours même avant de recevoir votre adhésion par la poste. Donc, euh, si vous êtes, euh, euh, disons, euh, désespéré, euh, c'est peut-être pas la, la bonne option à court terme. Euh, aussi, elle nous propose en plus de l'abonnement de choisir le pack de démarrage, hein, un beau starter pack euh, du Unicold pour seulement 55 et 55. Elle hein, aime les chiffres, euh, les, les comment dire, les, les suites de chiffres euh, unitaires. On peut obtenir notre demande ainsi qu'une copie papier signée d'un du, livre hein, parce qu'elle écrit un livre qui s'appelle les, les fondements du Unicold. Euh, tu peux avoir un cristal de quartz et d'autres matériaux de votre choix un béret ou un bouchon. Je ne sais pas c'est quoi le bouchon en tant que tel, okay. euh, mais, mais bref, c'est ce qu'elle offre dans le starter pack et vous pouvez même aussi l'appeler, j'ai pas osé, mais il y a un numéro de téléphone, c'est le 1 8 3 3 Unicolt pour une ligne directe pour communiquer avec elle. Donc je termine sur une citation de sa part "Nous sommes la religion du futur parce que je viens du futur et tout ce que je défends et représente vient d'un temps futur." Je sais que c'est vrai. Parce que je l'ai vu se dérouler. Et là, ce que je me demande, c'est, est-ce qu'elle croit vraiment à tout ça Ouais. Hein? C'est, ça aussi que je me demande parce qu'il y a le personnage, puis ça, je le, je le comprends là, tu sais, à, à monter une image, d'une business. À un moment donné, tu vois que ça, ça fonctionne. Tu on dirait que des fois, c'est, tellement dans le champ gauche là, tu que j'ai de la misère à. à, à, à à croire qu'elle croit vraiment à tout ça, mais peut-être peut aussi, tu sais... Euh... Oui, on dirait plus une, une artiste, en fait, qui essaye d'exploiter de, un peu la, la religion. Tu on se rappelle Lady Gaga, elle l'a déjà fait un ouais. peu, ah ouais, tu avec ses... Comment ça s'appelait le groupe de fans de Lady Gaga, c'est Little Monsters là, quelque oui, chose oui, comme les ça. Little Monsters, ouais. Tu c'était pas une religion, non, là, non. mais c'était une forme de, de communauté autour de son oui, univers oui. à elle et bon, ces gens-là avaient des privilèges, il y avait de la marchandise oui. pour eux, un site internet. On dirait qu'elle oui. joue un peu à cette corde-là parce que vrai. même son, son concept de, de bordel, de robot sexuel, tu sais, c'est pas réaliste dans le sens qu'elle l'a ouais. pas fait, elle ne pas l'a pas réalisé, c'est un projet qui a qui a pas, non, qui n'a pas fonctionné. Ben c'est ça, qui n'a pas fonctionné. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est plus. Ça, ça semble un peu moins sérieux, je trouve, son projet à elle. Oui, 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 il y a quelque chose, mais crème malgré tout, elle fait la une de plein de magazines dès qu'elle parle de quelque chose a réussi à avoir une attraction. Mais c'est vrai que, moi, ça fait des semaines là, que je l'écoute, même que ma fille, à un moment donné, a pensé que j'avais un kick dessus. Elle savait pas trop que je travaillais, pas dire. Tu as l'air, à l'aimer parce que tu beaucoup de vidéos d'elle. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on finit à, à s'attacher à elle euh, d'une certaine façon. Tu sais, même je suis pas vraiment d'accord avec ses discours. Puis moi, ça me rejoint pas. Je n'ai pas besoin de ça. C'est personnel. Mais, mais elle a du charisme. C'est ce que je remarquais. Là, c'est ce que je me disais, c'est que tous les gens qui sont à la tête de ces cultes-là, ils ont c est, c est, ils ont toujours une forme de charisme. Euh, oui, c'est nécessaire. C'est pas nécessairement les, les, les plus belles, mais c'est ça. Fait que ça. Euh, on dirait que c'est je me, je me ramène à ça, là. C'est que ces gens-là, on dirait qu'ils développent une force, puis une, une attraction, puis ils l'utilisent même par le web, dans hein, le charisme se transfère par, par l'écran. Donc. Euh, donc voilà, c'était mon ma, ma vision un peu de, 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 de la secte Unicult. Yes, et après, après cette petite petit pause musicale, musical, on, on revient, revient avec l'histoire troublante de, de Teal, teal Swan. Swan représente un nouveau style de gourou ou de leader spirituel. On verra éventuellement si on peut la qualifier ainsi. Elle est un peu un mixte entre une guérisseuse moderne et une influenceuse Instagram, donc un peu un mélange des deux. Okay. On dirait que maintenant, les, les gourous nouveaux genres n'ont pas le choix d'être un peu influenceurs. Exact. Elle a un regard extrêmement perçant avec ses yeux verts, un visage bien découpé, une chevelure noire soyeuse, elle a définitivement un charisme indéniable. Oui. Elle est aussi une femme de son temps, c'est-à-dire que contrairement au gourou nouvel âge des générations précédentes, Teal Swan s'habille avec un look contemporain et utilise les médias sociaux d'une manière très efficace. Elle va même publier des mimes parfois et elle va utiliser chaque plateforme à bon escient. C'est vraiment une championne des réseaux sociaux. Mm. On voit qu'elle a une équipe aussi avec elle pour créer tout ce contenu parce qu'elle est très active et a fait du contenu, bon c'est discutable, mais je dirais de oui. qualité. C'est-à-dire oui, oui, du, oui. du contenu qui fonctionne bien, qui est bien, oui. bien tourné, bien réalisé. L'enveloppe est belle. Yes. On en sait peu sur son enfance par contre, euh, on en sait peu aussi sur ses études et sa vie familiale, mais il y a quand même des choses qui sont disponibles selon son site web entre autres, Teal est né à Santa Fe au Nouveau-Mexique en 1984. Dès son plus jeune âge, elle a commencé à manifester des capacités extrasensorielles, selon elle et même selon ses parents. Parmi ces capacités, on trouve la clairvoyance, la claire audience, hmm. la capacité à manipuler les champs électromagnétiques et la capacité à communiquer avec des formes de pensée diverses. Mais dis-moi, la claire audience, c'est-tu de, de, de ressentir ce que ressent ton audience euh... Je crois que c'est plus en lien avec l'audio, mais euh, je crois qu'elle peut entendre des choses, okay, mais euh, okay, écoutez, okay. c'est des spécialistes de la claire audience dans la salle. Écrivez-nous et parlez-nous-en. Oui. Depuis lors, Teal est devenu un catalyseur spirituel, utilisant ses capacités pour rappeler aux gens la nature énergétique de notre univers et pour leur apprendre à trouver le bonheur au milieu des circonstances les plus extrêmes. Elle est issue d'une famille de hippies qui vont l'intégrer à différentes communautés au, euh, au fil de sa vie, voire des sectes. Ses capacités l'ont prétendument éloignée de ses proches. Elle est devenue ostracisée et a été victime d'abus et de violences sexuelles. Dès l'âge de 6 ans, Swan dit avoir été abusée, violée, droguée et torturée psychologiquement par un ami de la famille qui promettait de l'aider à guérir. Mmh. Donc, c'est très louche tout ça. Elle a un, elle a un passé assez, euh, assez trouble. Elle a par la suite déclaré au euh, Huffington Post. Elle avait également été intronisée dans deux cultes sataniques distincts où elle a participé à des sacrifices et à des, ritu des rituels religieux. Pardon. Oh Dieu. Ouais, elle, aurait été, elle, aurait, elle aurait fait partie de, de cultes là, qui ont été en lien avec la satanique panique dans oui, les oui. Euh, années 90, oui, oui, oui. Là, entre autres. Là. Okay. Donc, c'est ne euh, pas retrouvé avec les, les meilleures influences mmh. autour d'elle de ce, de ce côté-là. Et là, je, je la cite... Quand j'avais 12 ans, j'ai été placé sur une table métallique dans un cabinet vétérinaire après les heures de travail. Le formateur du groupe sectaire avait un filet noir sur le visage, a déclaré-t-il. Il m'a branché à des électrodes plaçant du gel sous chacune d'elles et a utilisé un vieux projecteur pour projeter des images de carcasses d'animaux morts sur le mur en face de moi. Chaque fois qu'il changeait la diapositive sur l'écran du projecteur, il me donnait un choc. Il n'arrêtait pas de dire ⁇ Regarde ce que tu as fait !⁇ Encore et encore, essayant de suggérer que j'avais tué tous ces animaux. C'est fou, hein? Oui, donc il y avait une forme de lavage de cerveau qu'elle aurait subi là, pendant euh, son enfance. C'est-tu hein, comme des faits euh, pavloviens un peu? Tu sais, dans le fond, tu vas associer l'image euh, oui, au choc. Oui, carrément. Et peut-être tenter même de, 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 de modifier les pensées, modifier mm -hmm. les souvenirs en disant ça, là, en ayant une, une réponse très, très directe avec oui, le oui, choc oui. électrique, là, Tu sais, en tentant de la, de la convaincre qu'elle a, qu a ben, tué oui. tous ces animaux-là. Mon Dieu. Adolescente, Swann a tenté de mettre fin à ses jours et a été envoyée chez un psychiatre dont les techniques, selon elle, n'ont pas fonctionné. Swann a réussi à s'échapper de deux sectes à l'âge de 19 ans et à parler des abus qu'elle a subis pendant longtemps. Elle se souvient en disant ⁇ Ma mère m'a amené chez tous les thérapeutes possibles et imaginables et j'ai reçu tous les diagnostics possibles ⁇ schizophrénie, bipolarité, borderline et j'en passe. Donc, elle avait de la misère à mettre le doigt sur, euh, sur sa maladie ou ouais. du moins ce qui la, ce qui la distinguait, là, ce qui la rendait ostracisée à ce point-là. Au début des années 2000, Thiel va en Chine avec sa mère pour tenter de comprendre un peu plus ses pouvoirs. Là-bas, elle va rencontrer des chamans et des guérisseurs pour l'aider à en savoir plus. Elle affirme qu'en présence de ses leaders spirituels, elle se sent enfin elle-même et moins ostracisée. En Chine, on lui a appris que ses pouvoirs spirituels devraient être mis à profit dans le but d'aider les autres qui pourraient en bénéficier. À son retour aux États-Unis, elle tente de vivre une vie normale en s'engageant dans différentes activités. Elle commence à faire du modeling et elle rejoint aussi l'équipe américaine de ski télémarque mmh. car elle est une grande fan de ski et elle croit y voir un potentiel à venir. Elle a de la difficulté à naviguer au travers de relations amoureuses. Euh, étant jeune adulte, elle va rencontrer un certain Blake lors d'une fête au collège. Au départ, euh, il ne fait pas super bonne impression Blake, car il mm. semble chercher beaucoup d'attention, mais au final, il deviendra l'homme le plus important dans la vie de Teal. Mm. Elle va se sentir réconfortée par lui, comprise et en sécurité. Ils vont demeurer plusieurs années ensemble, et même lorsque Teal aura d'autres compagnons, Blake va toujours demeurer pas loin. Teal aura entre autres le cinq mariage en sept ans. Mon Dieu. Elle va rencontrer un certain Mark Scott avec qui elle se marie et accouche d'un enfant nommé Winter quatre ans après leur mariage, en 2010. Selon Thiel, Winter a aussi hérité de ses pouvoirs extrasensoriels. Après sept ans ensemble, le couple se sépare et Winter demeure avec Thiel. Winter va beaucoup l'inspirer dans ses écrits et dans ses vidéos, il va jouer un rôle central dans l'équilibre mental de Thiel. Hmm. On ne connaît pas tous ses amoureux à Thiel Swan, mais un autre qui est tout de même connu est Al Jico, qui lui euh, aussi est un guérisseur et un guide spirituel français. Peut-être que nos, euh, nos, euh, nos auditeurs auditrices euh, français ouais. euh, savent euh, qui il est. Euh, moi, je ne le connaissais pas. Non euh, non plus. Euh, ils vont vivre ensemble une vie idyllique, là, euh, euh, exemplaire. Ils vont faire beaucoup de voyages, euh, même faire des vidéos ensemble. Souvent, Al, lui aussi, il fait mm -hmm. des vidéos un peu de nature euh, euh, spirituelle, spirituelle euh, guérisseur et tout ça. Puis, euh, il va souvent mentionner Till. Il va souvent l'inclure dans mm -hmm. ses vidéos, dans ses publications euh, Instagram... Aussi, mais finalement, ils se séparent en 2018 après deux ans de relation. Au fil du temps, Swan a lancé sa chaîne YouTube et a commencé à télécharger des vidéos sur la guérison, la santé mentale, les manifestations et d'autres sujets de développement personnel. Elle a également écrit six livres et organisé toute une série d'événements allant de discours en direct à des cours personnalisés sur l'amour de soi dont le prix s'élève parfois à 400 dollars et euh, même de nos jours euh, encore beaucoup plus selon certaines okay. autres formations. Sur son site Gumroad, qui est un site de vente de marchandises en mm -hmm. fait, là, on peut voir qu'elle vend aussi des MP3 de méditation sur différents thèmes, ainsi qu'une application de tarot. Encore une fois, pour revenir. Euh, à, à ce que tu disais euh, Seb la marchandise est très présente. Ouais. ces gens-là doivent avoir des revenus passifs énormément ouais, donc c'est pour ça qu'ils ont énormément de choses à vendre sur leur ouais. site web. ça ouais, semble ouais. être un dénominateur commun là, auprès de ces leaders spirituels. Teal est aussi peintre depuis longtemps. Il y a certains membres de son cercle fermé qui l'ont découvert avec ça, des gens qui l'ont qui ont rejoint son groupe en la découvrant tout d'abord comme peintre. Elle vend des œuvres depuis plusieurs années, depuis encore plus longtemps qu'elle a sa chaîne YouTube. Elle affirme faire de la peinture vibratoire. Hmm. C'est-à-dire que grâce à ses perceptions sur l'énergie, elle met en forme des vibrations en œuvre d'art, et la personne qui la regarde par la suite peut ressentir dans son physique et son mental ces vibrations énergétiques. Hmm. Lorsque tu cliques sur une œuvre d'art sur son site, c'est le paradis du dropshipping. C'est-à-dire <laughs> que tu as deux pages d'items divers que tu peux acheter euh, avec l'œuvre dessus. Okay. Et ça va du bikini au recouvrement de bandes de voitures de course. Okay, Donc, même. si vous pensez que distorsion, on a beaucoup de marchandises, <laughs> la boutique de Tilswan, ça n'a juste aucun rapport. Là. Tu vois son, son œuvre d'art, puis tu peux, tu peux l'acheter dans plein de déclinaisons. Là. Je ne ouais. sais pas le nombre de gens qui achète des recouvrements de voitures de course ouais, avec euh, avec son visage ou avec des peintures qu'elle a fait là, mais on retrouve de tout là évidemment des euh, des chandails des, des objets promotionnels ouais, ouais, des, des livres coussins aussi, des, ouais. des coussins des des, des des tote bags des ouais, choses ouais. comme ça euh, et des bikinis aussi donc euh, némit mais c'est c'est presque trop tu sais quand tu arrives ouais. sur la page de l'item il y a tellement de possibilités des fois c'est euh, c'est un peu euh, un peu too much là euh, je, je trouve là. mais vraiment tout est fait pour pour vendre 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 puis euh, ici tu sais aujourd'hui on on veut on veut pas rire de non, ça non, de non. ces croyances là le de de la croyance de la peinture vibratoire on en parle un, un peu avec humour depuis tantôt ouais. euh, des cristaux de ces choses là on, euh, à chacun sa croyance hein. Ici, oui, on juge on juge pas les gens mais dans certains cas on a l'impression que c'est un petit peu euh, gimmick hein? c'est ouais. Peu, euh, tout ça est souvent destiné à, à, à remplir les poches de de son équipe. Là, exact. Puis c'est drôle, là, hein, parce qu'il y a encore un dénominateur commun avec qui Elle fait de la peinture, oui. elle vend bien ses, ses toiles. On dirait qu'ils ont, ont beaucoup. Euh, ce sont souvent des artistes hein, aussi, hein, on dirait ouais. hein, par défaut. Hein, exact. Euh, je vais vous parler maintenant de sa chaîne YouTube parce que c'est un peu sa plateforme principale, oui, c'est oui. le moteur d'engagement de toute sa communauté. Là. Euh, et elle a des millions de fans. Là. Et les adeptes de Swan, ils forment la tribu, on l'appelle la tribe. Et, euh, et pour la plupart, ils l'ont découvert sur les médias sociaux, là, notamment sur YouTube, où elle compte actuellement 1,3 million d'abonnés. Et euh, je crois à ce stade-ci, plus de, de 60 millions de visionnements de, de, de ses visionnement vidéos. Elle a rejoint la plateforme le 26 janvier 2011 selon sa chaîne et elle a plus de 900 vidéos à l'heure où on se parle, donc okay. ça en fait des ouais. vidéos euh, par année là, produites euh, par Teal Swan. C'est beaucoup. Et la plupart de ces vidéos sont constituées d'un monologue de Teal sur un sujet précis. Et dans ces sujets de prédilection, là, on retrouve les relations humaines, la guérison émotionnelle, la spiritualité, euh, l'énergie, les chakras, mm -hmm. la parentalité. Mais ça va plus loin que ça. Là, on parle aussi de méditation et de plus autres, plusieurs autres sujets qui sont parfois plus légers, comme l'alimentation, la finance, des choses comme ça. Donc. Elle est un peu un tout inclus de conseils en tout genre euh, qui en font un peu une guide spirituelle idéale, peu importe ce qu'on recherche dans notre vie. Ouais, ouais. Et c'est assez facile, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, euh, en fait c'est assez difficile de pas tomber sur des vidéos d'elle okay. lorsqu'on lorsqu l'a Google. C'est okay. une, okay. une maître des, euh, des algorithmes, des, des réseaux sociaux. Ouais. On aura la chance d'en reparler tantôt. Mais quand je tombais sur elle, justement, je me disais... C'est vraiment un peu un, un tout inclus. C'est un buffet de, ouais. de service, de guérison, de, 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 de spiritualité. Là, tout est inclus. Peu importe ce qu'on recherche, elle va toujours avoir une vidéo pour nous. Là. Si on parle de la forme ou de la réalisation de ces vidéos, euh, souvent, elle s'adresse à nous les yeux dans les yeux, c'est très hypnotisant comme vidéo, hein? euh, elle s'adresse à son public devant un décor souvent un peu nouvel âge, voire psychédélique, là, et euh, on est rivé à ses yeux, on est collé à ses lèvres, on l'écoute parler, et assez rapidement, là, euh, elle a un timbre de voix qui est, qui est très bas, très ouais. monotonal, je mm -hmm. dirais. Là, euh, et justement, ça fait en sorte qu'on est presque dans un état méditatif ouais. en, en, en le regardant, puis on a on a de la difficulté en fait à, à décrocher. Là, donc, mm -hmm. euh... Euh, moi, c'est moins mon genre de gourou ouais, ouais. euh, parce qu'elle parle aussi très vite. Hein. Elle, elle parle vraiment, okay. vraiment vite. Elle va être euh, beaucoup, pas de filtre, on hein. va dire, beaucoup de fuck, beaucoup ah, ouais, de... Okay. Tiens, elle va être très, euh, euh, comment dire, très directe, sans filtre et tout ça. Euh, et elle va parler vraiment, vraiment, très vite, parfois sur un, sur un ton un peu autoritaire. Okay. Dans d'autres vidéos, elle est, plus, euh, elle est plus calme, je dirais. Euh, mais en général, euh, c'est ça. Elle, elle a un regard sévère aussi. Moi, j'ai l'impression... Quand je la regarde, je me sens jugé. Donc, oui, 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 moi, comprends. je suis moins réceptif à, à, ce, comment dire, à elle de, son, oui, oui. de, son, de ce côté-là. Parfois, elle va donner des bons conseils, par exemple, euh, sur comment gérer certains comportements de nos enfants. Tu sais, je suis tombé sur une vidéo que, où, euh, qui était très intéressante, en fait, où elle expliquait euh, que les... Euh, Children feel the way they want you to make you feel. En fait, c'est-à-dire que les les enfants euh, ressentent une émotion et ils tentent euh, souvent de te faire ressentir la même émotion souvent ouais, ouais, en faisant ouais. des crises, en tentant d'autres trucs. Ouais. Donc, de, dans certains cas, c'est je trouve que c'est euh, elle peut donner des bons conseils, hein, mm -hmm. même si c'est pas une une éducatrice ou ou une comment dire une une sociopédagogue, ouais, ouais. euh, puis aussi elle a des bons conseils de méditation, bon, euh, c'est des conseils qui sont très valides, mais dans certains cas, malheureusement, elle s'avance sur des terrains qui sont très glissants, euh, surtout en psychologie, okay. lorsqu'elle tente d'aider des gens qui ont des pensées noires ou des envies suicidaires ou des gens qui ont des problèmes un peu plus graves. Là. Parce que, ben, Thiel, en fait, elle n'a aucune formation pertinente pour traiter de cas de dépression ou d'anxiété ou des choses comme ça. Elle n'a pas de, de formation en psychologie. Euh, C'est quelqu'un qui a abandonné ses études très tôt, donc il n'a pas forcément de qualification. Après, je sais que pour être... Euh, euh, pour être un coach ou pour être, euh, comment dire, un guide spirituel mmh. ou un euh, prof de méditation ou autre, t'as pas besoin d'une tonne d'études. Mais le problème avec Thiel, ce qui est tout le temps le problème qui va revenir et vous allez voir, ça va aller très loin, c'est justement sa gestion de, des théories en psychologie okay. euh, n'ayant pas ce background-là. Elle va s'avancer ouais, ouais. sur des terrains qui vont influencer les membres euh, potentiellement négativement n'ayant pas cette expertise-là. Mmh. Plusieurs personnes euh, viennent vers elle euh, avec des problèmes de maladie mentale à divers degrés et souhaitent trouver une forme de guérison auprès d'elle. C'est normal, donc elle s'adresse euh, à la base à une clientèle un peu vulnérable. Oui. Et elle, ben, elle est dans une position d'autorité auprès de personnes sensibles. Donc, c est, c est, il y a toujours un petit risque à, à ce moment-là. Si on la compare à Unicol, qu'on oui. parlait tout à l'heure, ben, Unicol, je pense que oui, elle recherche à recruter des gens qui ont peut-être certaines vulnérabilités oui, 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 ou oui, oui, oui. certains besoins, euh, mais en même temps, je ne sais pas à quel point elle les conseille au niveau euh, psychologique et autre. Elle semble ouais, avoir ah, un ça, autre ouais. combat au niveau du matriarcal, ouais, euh, patriarcal, euh, par, euh, pardon, euh, et des technologies numériques, ouais, tandis que Teal Swan, elle, euh, s'adresse directement aux gens là, avec des conseils. Là, donc, euh, c'est là que ça peut être dangereux quand certaines personnes sont plus, euh, sont plus en danger d'une certaine manière. Euh, et euh, ça peut avoir un effet dévastateur parce que dans sa philosophie, euh, notamment euh, à propos du suicide, ben, le suicide est perçu un peu comme une forme de bouton reset. Mmh. Euh, donc, pas qu'il est banalisé, mais il arrive qu'elle en parle avec une certaine forme de distance qui fait en sorte que elle va pas insister pour que quelqu'un s'accroche à la vie, mettons. Mais on va y revenir plus tard. Mais est-ce que est-ce qu'elle a des notions de réincarnation et tout ça ou même pas à touche jamais à, à ça hein, j'imagine euh, parce que quand tu parles de suicide dans, sous forme de bouton reset tu un reset c'est que tu recommences la mort si tu crois pas à la réincarnation euh, ça se finit là. là oui, mais elle, elle croit. Euh, écoute, je ne suis pas assez expert en ses croyances pour savoir euh, si elle croit vraiment à la réincarnation, mm -hmm. mais c'est sûr qu'elle croit en la vie après la mort. Okay. Il y a quelque Excellent. chose euh, après la mort, sans doute une deuxième vie okay. ou quelque chose ouais. comme ça. Parce qu'elle prétend elle-même euh, avoir, tu sais, euh, euh, comment dire, elle a, a prétend avoir vécu des milliers d'années, okay, euh, tu daté okay. d'il y a longtemps, d'avoir ouais, eu ouais, plusieurs ouais. vies, d'être empreinte euh, sagesse et tout ça. Donc, euh, j'ose croire qu'elle, euh, qu'elle, euh, qu doit croire en la réincarnation. Oui, oui, oui. Mais s'il y en a qui, euh, euh, qui en savent un peu plus, ben euh, éduquez-nous là-dessus. Oui. Parce que je suis allé voir rapidement, puis j'ai plein d'amis communs sur Instagram qui la suivent. Okay, okay. Donc ah, euh, à, à quelque ça, part, ouais. les gens la suivent pour différentes raisons, mais bon. Euh, euh, J'espère que ces personnes-là euh, savent euh, euh, savent okay. qui est-ce qui s'adresse à eux là, exactement là. Si je reviens rapidement à sa chaîne YouTube, on voit que son équipe prend la chose très au sérieux pour contrôler l'algorithme. Non seulement ils font des belles vidéos professionnelles avec des caméras de qualité, mais en plus, ils font un marketing assez solide. Ils le font tellement bien en utilisant des titres hyper précis ainsi que des tags qu'il est presque impossible de trouver des vidéos qui la dénigrent. Ah, ouais. Ça, c'est vraiment troublant. Ah. Euh, moi, je cherchais justement, je me disais, il y a sûrement plein de YouTubers qui ont parlé de Teal oui, ben, Swan. Oui. Ben, oui. Il y a sûrement des vidéos qui la dénonce. Il y en a quelques-uns, ouais. mais c'est enseveli sous okay. ses 900 okay. vidéos parce qu'avec ses titres, elle réussit toujours à contrôler l'algorithme. C'est vraiment fascinant. Puis, en plus, euh, elle l'a confirmé elle-même dans un podcast qui s'appelle The Gateway. Euh, ça, ça va te troubler Seb okay. parce qu'elle utilise euh, sur le web le SEO, là, le Search Engine Optimization, ouais. la, un peu la, la le, référencement, ouais. Ouais, le référencement en français. Euh, afin de, de cibler des gens vulnérables qui sont parfois suicidaires ou qui parfois vivent des dépressions. Par exemple, elle va mettre dans ses tags des phrases comme how to end my life mm. euh, ou des phrases. sais, elle va utiliser les Google Trends pour oui, aller oui. chercher des, des phrases les plus recherchées chez des personnes qui ont besoin d'assistance. Oui. Tu sais, euh, je sais pas moi comment euh, comment se suicider sans souffrir, mm. comment mettre fin à mes jours, wow. comment faire sa vie, quel euh, est euh, le sens euh, de la vie. Oui, ouais. des questions que les gens vont euh, comment aimer sa vie, des ouais, choses comme ça vrai. que les gens vont googler. Ben, elle, elle, elle va mettre ça dans les tags. Okay. Elle va mettre dans les titres, des fois, elle va changer les titres pour que ce mmh. soit plus, plus pertinent, euh, elle ou son équipe, là, mais afin de cibler ces gens-là, -là, tu sais. Euh, et elle va faire la même chose sur ses sites, euh, dans ses articles, pour que les gens qui recherchent ces ben oui. termes tombent oui. sur son contenu. Elle mmh. va tenter d'être plus forte en SEO que des, euh, des organismes qui vont, euh, par exemple, euh, aider oui. euh, au, ouais. euh, à la prévention du suicide. Par ouais. Donc, euh, ils ont, euh, son équipe a cette notion de contrôle du message, puis de, de canalisation des, mm -hmm. des, des recherches sur Google vers le site de Teal Swan. T'sais. Quand tu tentes de, de chercher, par exemple, euh, ouais. parce qu'il y a eu des scandales, on va y venir. Mm -hmm. Quand on tente de, de rechercher euh, des, des infos sur ces scandales, sur les événements qui sont survenus, on tombe tout le temps en premier sur des articles. Euh, Teal Swan répond aux accusations sur ouais, tel ouais, truc. Ouais. Teal, Teal Swan adresse les euh, les, euh, les comment dire les inquiétudes au niveau du suicide. Donc, mmh. elle contrôle vraiment. Euh, l'algorithme c'est les champions de, de Google ouais ouais c'est ça Google en plus quand ça fait longtemps que as le même site web le même nom de domaine que tu parles des mêmes choses puis si tu le fais bien depuis le début ouais écrases tout le monde un peu comme tu disais même les entreprises qui euh, ou du moins les organismes qui sont dans la prévention du suicide s'ils si sont moins vieux euh, en termes de nom de domaine, qu'elle ou que justement, souvent, ils n'ont même pas les moyens d'avoir des stratégies ouais. de contenu, de référencement organique, de SEO comme elle, c'est sûr qu'ils passent en deuxième. Puis c'est là que tu vois qu'il y a une forme d'injustice euh, tu sais, dans, dans, ben oui. dans ça. C'est particulier. C'est Encore une fois, c'est l'argent la, la, qui gagne. Hein, oui, exactement. Euh, oui. Puis de cette façon, ben, elle s'assure d'avoir une arrivée constante de nouveaux abonnés là, susceptibles de devenir membres de sa communauté et de, de sa tribu. Là. Donc, ça. Il y a un flot constant de nouvelles personnes ouais, qui rejoignent ouais. sa communauté. Dans un autre ordre d'idée, plus léger, elle va aussi cibler des gens, par exemple, qui s'intéressent à la crypto-monnaie ou encore des gens qui recherchent des conseils amoureux. Euh, Puis ces ciblages, encore une fois, vont lui conférer une base d'abonnés fidèles qui vont tomber sous son charme lorsqu'ils sont en phase de vulnérabilité, car apparemment, que bien des gens euh, vulnérables euh, qui ont des problèmes dans leur vie vont <laughs> investir en crypto-monnaie en fait ah, il ouais, y, y a une corrélation entre des <laughs> oh, des, des gens qui euh, comment dire qui peut-être qui souffrent intérieurement et qui je sais pas moi euh, euh, des gens par exemple qui vont être fâchés contre la société mm -hmm. contre le gouvernement ah, ben, euh, ouais, ouais. Donc elle, elle va cibler des, 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 euh, des termes de recherche en lien avec euh, la crypto puis euh, des sujets comme ça, tu sais. Puis euh, ces gens-là vont découvrir euh, le beau visage de theo Swan et mm -hmm. vont euh, vont tomber sous son charme. Donc euh, c'est un peu euh, c'est un peu insidieux tout ça. Là. Je vais vous parler de ses retraites aussi parce qu'elle fait des, des des événements dans la vraie vie euh, puis ça peut être assez troublant là. En 2018, elle lance des retraites dans un nouveau lieu qu'elle a acheté à Atinas, au Costa Rica, hmm. qu'elle nomme Filia. Euh, ce lieu deviendra un peu là, le jardin d'Éden de Thiel, et ses fans vont payer des grosses sommes pour assister à des retraites. Euh, la retraite a Completion Process, qui est basée sur un livre du même nom qu'elle a écrit, va s'y tenir, entre autres, et sera un des, une des retraites les plus courues. Et là, je vais vous en parler un peu de cette retraite-là. Euh, le completion process, euh, c'est une méthode qui prétend guérir les traumatismes du passé. En même temps, euh, il peut euh, être en fait là, très dangereux. Thiel croit que l'utilisation du completion process aidera à réparer les traumatismes enfouis profondément dans la mémoire d'une personne. Le processus a aussi le potentiel de causer plus de traumatismes qu'il en guérit, selon des thérapeutes, mais aussi selon des gens qui y ont assisté. Hmm. Parce que le processus, dans le fond, consiste à extraire les traumatismes de l'enfance que vous avez refoulés et à travailler avec eux dans un, un endroit sûr, là, un oui, safe ça. space, là, selon Thiel. Le processus d'achèvement, en français, là, amène le travail sur l'enfant intérieur à un niveau supérieur et révèle qu'il s'agit de bien plus qu'une technique d'auto-assistance pittoresque. Et ça, c'est ce qu'elle, c'est un extrait du livre. Le problème, c'est que L'idée des souvenirs refoulés en psychologie, c'est c'est pas quelque chose qui est euh, accepté euh, ben comment est dire ça, formellement ouais. par la majorité des professionnels euh, du domaine. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est de la foutaise. En mm -hmm. fait, euh, la raison, c'est que l'idée d'un souvenir traumatique qui est vraiment refoulé, qui s'est produit dans l'enfance, est extrêmement rare en fait. Okay. En général, l'enfant va s'en souvenir pleinement de l'événement traumatique. Ouais, ouais, Il ouais. arrive dans certains cas que c'est pas c'est pas le cas. Ouais. Alors, on le vécu aussi mais elle en tentant de, de, de devenir experte de ce processus-là, eh bien à court un, un autre risque en fait qui est de qui est de travailler avec des souvenirs d'enfance qui sont prétendus donc qui sont pas mm -hmm. réels. Il est même possible qu'un souvenir soit implanté dans la personne. Ah ben oui! Ben oui. Euh, par simple suggestion, même accidentelle, euh, qu'une personne puisse créer un souvenir de quelque chose qui n'a jamais existé. On le voit souvent dans les histoires d'interrogatoires policières. Ouais. Hein? Euh, on le voit à l'œuvre dans le documentaire, entre autres, de Deep End, que je vais vous euh, parler tout à l'heure, à propos des retraites de Thiel-Swan. Et un ex-participant affirme avoir basé plusieurs décisions de sa vie suivant une retraite de Thiel-Swan du Completion Process, basé sur un traumatisme vécu dans l'enfance euh, qui était en fait un viol par son proche, je crois que c'était son, son père, cet, cet homme-là. Et finalement, il s'est rendu compte avec le temps, après avoir quitté le groupe de Thiel, euh, que ce souvenir n'est jamais vraiment arrivé. En c fait, bon c'est dans, dans l'espèce ouais. de session euh, spirituelle qu'ils ont fait de euh, un peu... Des fois, euh, des fois, ça peut ressembler à du brainwashing, des fois, ça peut ressembler à une psychothérapie, mais c'est pas clair, mais c'est très intense. On va lui poser souvent des, les mêmes questions, on va lui suggérer des trucs, la personne va devenir émotive, en pleurs ouais, ouais. et tout ça. Et finalement, va finir par croire ce souvenir-là. Là. Et cette personne-là, en fait, s'est rendue compte, en faisant plus ample recherche que ce souvenir-là n'avait jamais existé. Mais la personne, depuis ce temps-là, a quitté sa famille, a fait des choix de ben vie oui. vraiment différents, et euh, ça a complètement bouleversé sa vie, ce faux souvenir, ça l'a Mais... rendu. Euh, euh, comment dire, instable émotionnellement. Donc, c'est euh, très, euh, très dommageable, en fait, parfois, le jouer cette mmh. game-là, de tenter d'éveiller de, des souvenirs de l'enfance. C'est incroyable. Il hein? n'y a rien de légiféré autour de ça. Tu sais, je veux dire, lors des psychologues, lors des ingénieurs, ben tous ces, 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 ces métiers-là qui ont une incidence sur les gens, la, t'sais, généralement, il y a des ordres, c'est géré oui. par des codes de déontologie, mais tout ça, c'est un peu comme euh, euh, l'homéopathie, euh, puis tout ça, on dirait qu'il n'y a pas de... C'est un peu basé juste sur des croyances, puis à peu près n'importe qui peut faire à peu près n'importe quoi au, au risque, sans risque pour la personne qui initie ça, mais qui a des grands dangers pour les, les gens qui, qui, qui se lancent là-dedans. C'est particulier. Ben oui. Puis une histoire similaire était arrivée à la psychologue Barbara Snow, en fait, qui, a, qui elle, a eu comme patiente Teal Swan, en fait. C'est okay. drôle, hein, parce que elle a peut-être appris cette technique-là d'elle, mais elle a été accusée en 2008 d'implanter des faux souvenirs à ses patients. Et elle, elle était en Utah, l'état de, de, du Utah, et euh, l'état a allégué qu'elle avait réussi à faire croire à l'un de ses patients la même chose, qu'elle avait été abusée sexuellement ah, par ouais. son père. Donc, ce qui n'était pas vrai. Donc, on, on voit un lien direct ici, là. Et Barbara Snow a accepté une mise à l'épreuve en échange du retrait de ses plaintes par l'État. Euh, puis dans ce cas-ci, ben, si les actions présumées de Snow étaient délibérées, il n'en reste pas moins qu'il est toujours possible d'implanter un souvenir qui n'a jamais existé. C'est fascinant. Hein, ça. Puis petit lien, en fait, Teal Swan, euh, elle est née au Nouveau-Mexique, mais a longtemps habité en Utah. Hein. Puis Barbara Snow okay. aussi. Puis on sait que l'État de l'Utah est très... Euh, C'est l'État des mormons. C'est un oui. État très... Euh, comment dire sectaire, ouais. religieux, extrémiste, mmh, ouais. tout ça. Donc, euh, elle a vraiment évolué dans, une, comment dire, dans un milieu très propice à, à développer sa, sa propre secte, là, son oui, propre oui. culte. Là. Thiel prétend aussi là, que nous, nous ne subissons pas réellement de nouveaux traumatismes après l'âge de 8 ans. Mmh. Donc, elle affirme sans aucune citation, preuve, étude ou autre, que parce que nous devenons capables de rationaliser à l'âge de 8 ans, donc elle, elle se base un peu sur ce qu'on... L'âge de la raison, qu'on appelle dans les manuels, qu'on qu retrouve, pardon, dans les manuels ouais, ouais. de petite enfance et ces choses-là, -là, tu sais. Euh, et elle se base là-dessus pour dire, ben, euh, passé huit ans, les gens ont, euh, ont la capacité de rationaliser. Donc, euh, c'est impossible d'avoir euh, des nouveaux traumatismes enfouis après l'âge de huit ans. Mais on, sait, bizarre, que, on sait que c'est faux, tu sais. Ben oui, tu sais, il y a des adultes qui ont des traumatismes, c'est plein de. C'est une drôle d'affirmation, quand même. Oui, et puis dans le livre, je vous cite l'extrait, mais euh, elle dit Le fait que nous devenions capables de rationaliser à l'âge de 8 ans a de sérieuses implications. Cela signifie que nous ne subissons pas de nouveaux traumatismes émotionnels après l'âge de 8 ans environ. Donc, c'est clairement cité dans le livre comme si c'était une autorité euh, ouais. scientifique. Là. Thiel poursuit en affirmant que tous les traumatismes qui surviennent après l'âge de 8 ans ne sont en fait que le reflet d'une blessure antérieure. De plus, elle ne fournit aucune citation ou preuve pour étayer cette affirmation. Elle s'aventure donc sur des terrains qui peuvent être dommageables pour les gens qui y assistent, surtout en position de vulnérabilité. Oui, c'est assez incroyable. On dirait que j'en reviens comme pas. Ben oui. en tout cas... Là, je vais vous parler de cas un petit peu plus sérieux qui sont survenus dans la tribu de Teal. En 2018, les conseils de Teal Swan vont prendre une autre tournure tragique quand deux personnes de sa tribu vont s'enlever la vie. Tout d'abord, Leslie, âgée de 18 ans seulement, qui était membre de son groupe Facebook avec plus de 20 000 abonnés, a publié plus de 100 fois sur le groupe pour différentes raisons. Euh, elle, elle était fascinée par Teal Swan. Elle, elle allait même peindre euh, elle-même des, des œuvres d'art avec le visage de Teal. Et quelque part en 2018, elle publie un message expliquant qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours sur le groupe de Teal Swan et elle cherche à connaître l'expérience des autres face à ce combat -là pour, euh, pour la vie. Le seul message qu'elle a reçu... En fait, le message qu'elle a reçu le plus souvent des membres du groupe, parce que bien sûr, il y a des gens qui lui ont dit de, de ne pas faire ça, mais il n'y a aucun numéro de téléphone, par exemple, de, de service d'aide ou de site web qui ont été publiés, mais celui qu'elle a reçu le plus souvent, c'est une vidéo de Teal qu'elle a mis sur sa chaîne YouTube où elle explique sa vision du suicide. Du suicide pardon. Bien sûr, dans la vidéo... Thiel explique que ce n'est pas une solution, que nos proches souffrent lorsqu'on met fin à ces jours, bien évidemment, mais en même temps, elle en parle un peu comme un filet de sûreté. On a parlé un peu tantôt ouais, là, du ouais. Reset Button. On a aussi vu dans ces séminaires une pratique douteuse où elle invite les gens à se coucher par terre et à visualiser leur propre mort. Elle affirme que pour certaines personnes, l'aide médicale ou psychologique n'aideront pas sur le long terme. Leslie a donc mis fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête Merci. dans un parking d'un Walgreen là, quelques jours après sa publication sur le groupe, Mon Dieu. et ses parents ont été dévastés. Une autre personne maintenant, un certain Ian Thomason, dont on ne connaît pas, pas beaucoup de détails sur la ville a aussi mis fin à ses jours suivant la même publication là, donc dans les semaines qui ont suivi la même publication de leslie bien sûr il est difficile de blâmer entièrement la tribu de teal pour ses décès évidemment on sait qu'il s'agit d'une combinaison de facteurs probablement de, de, de facteurs oui. psychologiques aussi mais encore on voit que l'effet de chambre à écho, le présent, Exactement. au sein des, de la communauté, peut avoir un effet catalyseur qui nous convainc que seules ces personnes peuvent nous aider, alors que d'autres sources, probablement mieux qualifiées, peuvent le faire. Hum. Donc, euh, c'est l'effet d'entraînement, l'effet de groupe, ouais. la recherche des réponses, de l'impression qu'elle va en trouver vraiment dans ce groupe-là. Ouais. Et ce qu'on lui suggère, c'est encore du contenu provenant de Teal, donc elle se base là-dessus et elle, elle a peut-être accroché là-dessus sur le fait que euh, bien peut-être que euh, étant donné que selon Teal, c'est possible que tu sois irrécupérable, bien, c'est peut-être ce qu'elle a constaté, en fait, puis ça l'a poussé à la mettre fin à ses jours. T'sais. Ben oui, parce que si, si elle consomme du contenu depuis. Des mois, des années d'elle, elle a confiance en elle, elle a confiance oui. en son discours. pour son elle, guide. C'est ça, c'est une personne d'autorité. Tu sais, ça, c'est quasiment pas normal qu'elle ait, qu ait fait ben ça. oui, tu elle y croit. Donc, oh C'est donc deux personnes en fait qui ont enlevé leur vie là des membres de leur de la tribu de de Teal elle n'a jamais subi de poursuites en lien avec ces deux morts. Okay. Euh, C'est quelque chose qui est difficile à prouver, ouais, évidemment, exactement. en cours. Cependant, elle a subi beaucoup de critiques de la part des médias et certains certains membres de la tribu, en fait, ont quitté le groupe suite à ces événements okay. euh, tragiques. Là. Euh, elle, elle a répondu. Par des vidéos, par un blog, à tout ça, en expliquant un peu encore une fois comment elle voit le suicide, que ce n'est pas une solution, qu'elle ne voulait pas se prononcer là-dessus. Puis, tu sais, en, en plus, elle a maintenant sur son pied de page de cet Internet ouais. il y a des adresses avec des ressources okay. Okay. Euh, pour aider. Mais bon, c'est loin un peu dans le, ouais, ouais, ouais. Dans le, dans le site web, c'est vraiment dans le footer euh, en bas. Là. Donc, très, euh, comment dire, vraiment tragique, très triste, ces événements survenus euh, Mais dans la ah. tribu de, de Teal Swan. Euh, vraiment, c'est euh, troublant d'avoir, euh, euh, comment dire, euh, que, que tout ça ait mm. mené à, à, des, à, à des morts humaines comme ça, surtout à si ah, ouais, jeunes ouais. en plus, les 18 ans, c'est vraiment, vraiment triste. Puis, la mère, euh, j'ai euh, lu des interviews avec la mère de cette fille-là, mmh. Leslie, en fait. Euh, sa mère est allée rétroactivement regarder toutes les publications okay, okay. de sa fille sur le groupe. Ouais, ouais, elle voyait ouais. qu'elle envoyait des, des signaux de détresse, des choses comme ça, ouais. mais qu'il n'y euh, avait personne vraiment qui l'aidait. Okay. Elle s'est sentie énormément coupable, elle aussi, ben, la pauvre mère. C'est sûr, là, mon Dieu. Elle s'est dit, pourquoi j'ai pas vu ça? Ben oui, ça, 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 bien, ça bouleverse ouais. des, des familles entières, en mmh. fait. Là. Euh, autre chose dont je voulais parler un peu, c'est un peu des abus là, au sein de son groupe, tu Premièrement, dans les séminaires, les membres de la tribu, en fait, les gens du grand public, là, euh, semblent être des gens, en fait, bien normaux, qui, tu je crois pas qu'ils souffrent d'abus de la part de Thiel. C'est okay. regarde des, euh, des vidéos de son séminaire, ça ressemble un peu à, euh, oui, des fois il y, y a des moments assez troublants, euh, mais parfois c'est rigolo, parfois c'est des conseils qui sont valides et tout ça. Ouais, On sent ouais. pas que Thiel euh, utilise son autorité pour abuser des, euh, des gens qui, qui payent pour assister à son séminaire. Euh, par contre, ceux qui sont dans son cercle rapproché, parce qu'autour d'elle, elle a un directeur des opérations, ouais, ouais. elle a quelqu'un qui fait plus du marketing, un mmh. gérant, des gens qui font du contenu, qui la suivent avec euh, euh, des téléphones pour faire du ouais. contenu sur Instagram et tout ça. Euh, ces gens-là, par contre, c'est très, très, très tendu. Là, là on sent okay. qu'il y a vraiment des relations toxiques au sein de, euh, de ce groupe-là fermé. Là. Euh, ce qui m'amène à vous parler un peu d'un du, documentaire, en fait, qui est sorti tout récemment. Qui s'appelle The Deep End, oui. en fait, qui est un, un documentaire en quatre parties sur Hulu qui est, euh, qui est maintenant disponible sur Disney Plus au Canada. Oui. Oui. Depuis cette semaine. Euh, et dans ce documentaire-là, c'est vraiment le focus est mis sur les retraites de Thiel. Il okay. euh, y a des moments qui sont vraiment cool. En fait, ça ressemble un peu à, à parfois une conférence de Tony Robbins. Il ouais. euh, y, y a de la motivation. Euh, elle a vraiment des, des phrases. Elle, elle a le sens du spectacle. Elle va aller chercher des phrases ouais. qui vont vraiment euh, euh, accrocher ouais. les ouais. gens. Elle va donner des bons conseils aussi. Mais tout ça se gâche quand on, on, euh, on tombe dans. Son, son cercle fermé. Là. Par exemple, il y a Blake, en fait, euh, tu sais, qui est un peu la première personne, son premier amoureux, oui. qui est toujours près d'elle, qui est un peu le directeur des opérations okay, okay. De, son, oui, de son groupe. Il est encore là, il est toujours près d'elle. Puis on sent que Blake a encore... Euh, on sent qu'il y a encore une attirance très ouais, forte ouais, ouais. envers Thiel. Euh, il le dit même dans le documentaire, c'est un peu troublant. Mais Blake, en fait, il, il souhaite refaire sa vie avec une femme, t'sais. donc okay. une femme, ouais, ouais. Joanna, qui l'invite dans le groupe. Okay. Et euh, cette fille-là vit l'enfer, en fait. On le voit dans, okay. le, dans le documentaire. Il okay. euh, y a un moment donné où euh, Joanna, elle est mise au centre avec tout le groupe de Thiel, son inner circle, là, les ouais, gens ouais. Qui, sont vraiment, qui gravitent autour d'elle. Ils lui font tous des reproches un après l'autre. Euh, la pauvre femme, elle, elle est en larmes. Oh, est... Euh, après un certain temps, on dirait qu'elle qu est complètement morte intérieurement, tellement, oh, ouais. euh, tellement il y a des abus. On dirait que Teal voit en elle une rivale Mais ou oui. quelque chose comme ça. Puis le pauvre Blake, en fait, il veut juste. Il veut juste avoir une, une femme, tu sais, il veut juste avoir une conjointe il veut juste se sortir, se libérer un peu de Teal. Puis euh, il puis n'y arrive pas. Euh, on voit les gens sont vraiment traités là. Euh, teal, elle est toujours, toujours tendue, toujours, toujours très sévère envers son okay. staff. Okay. Euh, elle va sacrer beaucoup, elle va dire beaucoup ouais. de fuck. Euh, vraiment là c'est clair qu'au sein de son, euh, de, de, son, de son cercle fermé il y a énormément de d'abus de, de pouvoir de, C'est ouais, ouais. dictatorial là, comme façon de gérer c'est vraiment troublant on voit aussi des moments troublants dans d'autres retraites euh, à certains moments elle va elle va faire du channeling là, donc elle va elle comment dire elle, elle va euh, canaliser l'esprit de, de ta grand-mère dans le corps de quelqu'un sur place. Okay. Et là, ça va être très difficile. Tout le monde va finir en larmes, mais elle semble avoir ce pouvoir-là de faire du channeling, de pouvoir... Euh, par exemple, tu as perdu ta grand-mère, ouais, ouais. mais elle, avec euh, une autre personne, va, va te permettre d'avoir une conversation avec ta grand-mère okay. euh, qui va posséder le corps de ouais, cette ouais, autre ouais, ouais. personne-là. Là. Donc, tu as des moments troublants comme ça que tu vois live dans le documentaire. Là. Euh, des fois, tu tu as des personnes individuellement qui vont se faire traiter, mais on ne sait pas qu ce qui arrive, mais tu peux avoir un traitement individuel, un, okay. une consultation avec Thiel, tu vas entendre des hurlements en arrière. Ça semble être très douloureux parfois, là, okay. les, certains séminaires. Là. On voit l'ambiance qui règne, puis c'est définitivement un peu toxique, là, très, très mm -hmm. tendu au sein de son, son cercle fermé. Là. Moi, j'ai trouvé ça triste de. De, de voir ça. Euh, aussi, un autre euh, contenu que je vous suggère en lien avec euh, Teal Swan, c'est le podcast de Gateway, en fait, qui est un podcast okay. en six parties qui a été produit en 2018 par Gizmodo. Et euh, ce podcast-là, en fait, met le focus vraiment sur des interviews avec Teal, entre autres, et avec ses fans, donc avec des gens qui ont rejoint la communauté. Donc, super intéressant encore euh, à consulter. On y parle des cas de suicide, puis aussi beaucoup des tactiques marketing là, mises en place par. Euh, euh, par Teal. Euh, mais en gros, euh, en gros il n'est pas survenu d'autres événements depuis. Évidemment, elle, elle conteste ce qui est dit dans The Deep End, mais c'est dur à contester parce que ben, c'est de la vidéo documentaire, ouais, c'est filmé, on l'entend parler, on voit, on voit les lieux et tout ça. Euh, c'est drôle parce que quand tu vas voir les reviews de The de, de Deep End un ouais, petit ouais. peu partout, c'est biaisé parce qu'il y a énormément de membres ah, ben de la oui, communauté de Teal Swan. Ça qui sont arrivés et qui ont spammé les reviews avec ah oui. des, mauvaises, euh, <laughs> des mauvaises critiques. Donc, elle tente encore de contrôler ouais. l'output. Euh, publicitaire, elle tente encore de contrôler ouais, ouais, le message ouais. des, euh, des documentaires qui sortent. Incroyable. Elle a de, de l'emprise, hein, ça n'a pas de bon sens comment qu'elle a de l'emprise. Oui, énormément. Son son staff, ça. Ah mais... oui, c'est dur à croire. Euh, fou, vraiment, hein? moi quand j'écoutais euh, euh, The Deep End, c est, c est parce que c'est merveilleusement filmé, c'est vraiment okay. bien tourné, là, ce documentaire-là, mais en même temps, euh, tu as des grandes longueurs, ouais. c'est très lent. On ouais, laisse oui. beaucoup les choses se passer. Mais tu te sens mal, tu, tu, tu te sens vraiment okay. dans la pièce avec eux. Moi, je l'ai écouté presque d'une shot, ouais, les, ouais. Les, les quatre parties. Puis tu, euh, tu te sens presque dans le groupe avec eux, tu sens les tensions, okay. c'est palpable, tu sens les gens souffrir. Okay. Euh, tu as des gens qui pleurent devant elle en lui disant euh, euh, qu'ils sont amoureux d'elle, mais qu'ils savent qu'ils n'ont aucune chance. Ah, ouais. euh, tu beaucoup de gens qui sont là pour un peu tenter leur chance avec elle. Ah, là, okay. euh, donc, c'est très triste de voir ces gens-là vulnérables s'accrocher à cette, euh, cette femme-là qui, euh, qui semble être euh, vraiment toxique au fond d'elle. Ouais, ouais, en fait, ouais. Donc, si... Euh, je vous lance, je lance la perche, les Distordus. Si vous, vous êtes des fans de Teal Swan, si vous avez une autre opinion d'elle, laissez-nous le savoir. Si au contraire vous avez euh, fait l'expérience de contenu troublant venant de sa part, euh, on serait curieux de le savoir aussi. Ou encore si vous avez assisté à des retraites de d'autres euh, personnes, d'autres oui, gourous, oui. d'autres leaders dont on n'a pas parlé aujourd'hui, eh bien. Euh, Parlez-nous-en. Ben oui, ben oui, je serais curieux yes. d'entendre ça. Euh, c'est dur de, de closer la, sur ce sujet-là, Seb. Oui. On n'avait pas vraiment, c'est un épisode un peu différent, oui, on n'avait pas une intrigue avec des théories. Oui, euh, moi, ce que je retiens de ça, c'est un peu, euh, on en voit beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux des, des communes, des projets communautaires, ouais. des centres de guérison et autres. Euh, il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. Non. Euh, je crois qu'il y a des gens qui sont bien intentionnés il y a des gens qui vont vouloir vivre un mode de vie alternatif oui, euh, avec oui. les mêmes valeurs. Et euh, ils n'ont aucune raison de, de se faire détester, mais on n'a pas le choix de se méfier parce que, euh, mon Dieu, il y en a qui sont là pour les mauvaises raisons aussi. Là. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu as retenu de tes recherches ah, ben C'est un, un peu comme toi, puis même, je me dans mes recherches, je ne savais pas qu'il y avait autant de cultes qui sont dénombrés aussi là, à l'ère d'aujourd'hui. Quand je cherchais, il y, y en a partout dans ah oui. plein de pays, dans plein de villes, sous toutes sortes d'emprises. Ils, ils ont chacun leur angle. C'est ça l'Internet, hein, c'est que tu les frontières physiques. Fait que automatiquement, les gens vulnérables sont encore plus faciles à aller attraper hein, parce que généralement, ils vont toujours chercher un peu les gens qui sont dans, dans les mêmes périodes de vie. Là, où ce que ça ne va pas bien, oui. tu manques de sens à ta vie? Euh, tu pas de support de ton entourage, euh, c'est toujours autour de ces thématiques-là. Là. On, on s'en sort pas, là. donc euh, euh, c'est normal d'aller chercher du soutien parce que dans la vie, on n'a pas tous la chance d'être bien entouré. Hein. Des fois, notre, notre famille ne nous supporte pas, etc. Mais si vous voyez des choses comme ça, soyez quand même méfiant, parce que ça peut donner du bon, hein, tu euh, euh, les gens se retournent vers ça, puis je suis sûr qu'il y en a qui ça, ça apporte un réconfort et tout ça, mais mais c'est là qu'on dirait que tu perds ton jugement comme avec, avec euh, Teen euh, c'est comme si tu sais je veux dire à, à, à déformer toutes les notions de psychologie, je serais curieux de voir puis c'est sans jugement que je dis ça, mais tu sais est-ce que c'est une clientèle qui est très éduquée mais parfois c'est même pas ça, hein? ils deviennent euh, il est arrivé dans plein de Ah, Il y a des gens très, très éduqués oui, autour d'elle. Il se fait as là, des gens ça, qui ont ça. été dans des. Euh, comment dire euh, Ça veut rien dire, là, mais tu sais, des ça, gens ça. qui ont été euh, des directeurs dans d'autres compagnies. Il ouais, des gens ouais. qui sont fortunés, qui sont, ça, euh, qui sont là. C'est des gens de tout, euh, euh, toute provenance ouais. euh, sociale et économique, là en fait. C'est fascinant. C'est ça qui me dépasse, on dirait. Puis il y a un charisme que s'il était utilisé à bon escient, parce que la que. T'en parle elle est toxique, mais elle est toxique avec son entourage, toxique. Tu sais, quelqu'un qui est toxique avec son entourage, moi, peu importe qui paraît, ouais. je crois pas que c'est une bonne personne jamais, parce que si tu es une vraie bonne personne, tu seras pas toxique avec ton entourage. Du moins, tu vas, tu vas te tenter de. Ça, 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 je trouve que tu, tu peux pas séparer ça, le, le personnage. Ça reste un personnage si t'es pas comme ça sur scène. Puis même à ça, comme tu dis, elle a un air autoritaire qui, 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 ouais. qui accroche à ça. Tu sais, on dirait qu'il faut, euh, faut, euh, Comment dire, faut méfiez-vous, méfiez vous de, de ça. Là. En fait, c'est un peu ma, ma conclusion là, je vous dirais. Yes. On vous remercie, les Distordus, de nous suivre. Vous savez où nous trouver. On aimerait connaître votre opinion sur le sujet. On est partout, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et sur TikTok récemment. Oui. Suivez-nous sur TikTok oui. pour voir nos disto-news. Oui. On vous rappelle que l'épisode est une création de moi-même, Émile Gauthier et Sébastien Lévesque. Yeah. Montage d'André Beaupré. La musique de cet épisode est une gracieuseté de Arby. Toute la musique originale de distorsion pour nos deux ou trois dernière saison, c'est de la musique composée exactement pour euh, l'épisode, c'est pas du stock, euh, du stock shot euh, ouais. musical, donc euh, gros respect à Arby, et euh, aussi, et eh bien, on vous rappelle que dans l'after show pour nos abonnés Patreon au forfait Oui Monsieur, on va vous parler d'une histoire très troublante, encore une fois, de secte à l'heure numérique, le cas de Bentino Messaro. mais on ne peut quitter avant de remercier nos chers membres Patreon. Oh oui, je commence avec beaucoup d'amour pour Sarah A, Matt S, Vicky F, Manon C et Naila. Un gros shout-out à Mathilde F, à Jade L, à Lydia, à François LH et à Pauline R. Et je poursuis avec Simon C, Tristan M, Stéphane, la mystérieuse Elodie. Et Catherine C, beaucoup d'amour à Mathilde A, marie F, Karine C, G, à Ludovic B et aussi au mystérieux Bonzilla. Et je poursuis avec un high five à Sophie Maude T, Carole B, William F, Pat S et Ayalso. Aussi un gros câlin à Léonie C, à Alexandre P, à Meg S, à Maude S et aussi à Corinne L. Une poignée de main à Sandra O, au mystérieux séquence, à Gina L, Marilyn B et David B. On ne pourrait faire ce show sans euh, l'apport de Julie L, Jessie T, de Alia, de Guillaume C et de Étienne R. Et je poursuis avec Dominique V, Pauline R, Aurélien R, Sarah Eve AC et France P. Et pour terminer, beaucoup d'amour à Michael N, à Cecilia O, à Juliette V, à Cynthia SP et encore une fois à l'énigmatique Sir Marquis. Oui. Et là-dessus, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir Si vous avez, si vous avez des idées noires, n'hésitez pas à aller chercher de la. Place. Il y a SOS Suicide, Suicide Action ou encore le Centre de prévention du suicide qui sont là pour vous. Vous n'êtes pas seul. Oh non